Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une petite soirée Mario Kart. Tous ensemble, le tournoi est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à rejoindre le code est ici. On va s'entraîner un petit peu avant le début du tournoi. Bientôt, dans 8 minutes, je suis un peu à la bourre, je suis désolée. Vous m'en voyez confuse, j'ai eu des petits problèmes techniques, mais nous sommes de retour. Du coup, voilà, on va rejoindre le Discord pour ceux qui veulent. Hop, voilà, donc ça c'est bon. S'il y a d'autres gens qui veulent venir, ils peuvent. Et coucou Lydoc, tu te joins à nous pour jouer du coup ce soir? Hop, hop, hop. Du coup, voilà, je vais faire un petit entraînement tout seul pour l'instant, en attendant que tout le monde nous rejoigne. Est-ce que... Cool, trop bien. Alors du coup c'est bon, on voit le truc Discord. Ah bah du coup, I guess I got the answer to your question. The gifted subs don't show. And the last subs. Coucou Lana, toi aussi tu te joins à nous? Alors, petit tournoi qui n'est pas encore ouvert, mais c'est pas grave. Alors je crois que c'est celui-ci, si je ne me trompe pas. 43-13. Non, 43-15, c'est ça. Cool, génial. Coucou Charlotte. Coucou. Comment ça va? Ça va, mon chat est très très chiant, donc je risque de l'engueuler souvent, je m'excuse à l'avance. T'inquiète, je suis sûre que ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. Il y a Lana qui nous rejoint en vocal. Du coup, Yes. trop bien et génial, Ludoc, que tu aies donc réactivé le online pour 365 jours. Tu devrais être prêt du coup pour jouer avec nous toutes les semaines, c'est cool. Logan. C'est cool, c'est cool. Et bonjour le maître de l'air frais aussi, comment tu vas aujourd'hui, Virox? Hop, hop, hop. Bon, moi je lance un petit entraînement en attendant. Hein. Bien le bonsoir. Et coucou Lana, comment ça va? Coucou. Ça va bien. Bien, 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 prête J'arrive pour pas à une... mettre. Ça fait 2 fois que je me fais déco là, mais Ah, ça super, ah, sympa. Ça promet, dis donc. va. Super. Super, super, ça marche, Virox, tu nous rejoins quand tu veux, il n'y a pas de problème. Pas de problème, moi j'ai eu des petits problèmes techniques en lançant le live, j'avais pas de son sur la Switch, je sais pas, elle a décidé de faire la gueule, mais c'est bon, c'est tout réglé. Par contre, je sais pas ce qui se passe là, ça fait rien du tout. Ça a bugué ou pas? C'est bizarre. Voilà, moi c'est bon, j'y suis. Mais je suis alone. Bah ouais, mais moi je suis bloquée sur le... Bah attends, je vais relancer. Ouais, moi ça marche aussi. C'est curieux ça. Ah, je suis alone aussi par contre. Je pense qu'on va tout être... Voilà. Attends. C'est bizarre. Non, c'est Ah, bon. c'est bon. Ah bah du coup Ouais, on je quitte est... le groupe, je reviens du coup. Ouais, bah reviens, écoute, effectivement. Ouais, c'est bizarre les connexions sur Mario Kart, je trouve. Ah oui, bah, de toute façon, le online Mario Oui, Kart c'est ça. Et voilà, ça marche, c'est bon, coucou. Oui, le Mario Kart Online, Oui. c'est pas non plus la folie, hein. Je sais pas si on va avoir droit au petit ronronnement ASMR de Monsieur Halloween ce soir. Je ne le vois pas. Peut-être tout à l'heure. Toujours au meilleur moment de toute façon. Comme d'habitude. Je croyais que hier c'était samedi, et du coup genre il était je sais plus quelle heure et je fais oh non je suis pas prête pour le truc MK et tout. Parce que je voulais le faire cette semaine et j'étais là ouais, d'accord. Et en fait pas du Et tout en quoi là fait, du par coup, contre ça a été. Oui en fait du coup par contre ça fait Alors là, 15 jours que j'ai pas joué donc Ouais, c'est plus bah écoute, pourtant, moi, ça fait que quelques jours, mais je fais quand même de la là là merde. Hein. pareil tout pareil. Et coucou, Onza, comment tu vas? Si tu veux jouer avec nous, tu peux. Merde. Ça va être très compliqué ce soir. Ouais, je.
Je suis à peu près d'accord avec toi, Mathieu, ça va être... Bon, au moins j'ai récupéré ma manette pro, je joue plus au Joy-Con, c'est déjà ça. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, la semaine dernière c'était dur. Hein. Mais moi les miens ils déconnent alors... Ah oui, c'est... du coup ça... Pourquoi la manette trop... elle se déconnecte, du coup c'est pas pratique. Ah nice. Sinon la super nouvelle du jour c'est que j'ai plus d'eau chaude. J'ai un peu envie de me tirer une balle. Londres au mois de mars sans eau chaude. Ouais on adore, bon, c'est vrai que le chauffage marche encore donc c'est déjà ça. Heureusement d'ailleurs. Mais ouais plus d'eau chaude depuis hier soir. Et ouais, ça va être la petite technique de faire chauffer l'eau à la bouillie. Ah ouais, bah écoute, j'ai pris une douche froide tout à l'heure, ça m'a moyen plu. Donc il y a moyen qu'effectivement ça. Demain, je fasse, si c'est toujours le cas, je fasse chauffer. Ouais, en système D, au moins le temps, le temps de la douche, quoi. Cool. La première chose que je me suis dit, c'est cool, j'ai pas besoin de me laver les cheveux aujourd'hui. Trop bien. Et après, la deuxième chose que je me suis dit, c'est de toute façon, même si je devais me laver les cheveux, je sors pas de chez moi, donc ça ne change pas grand-chose. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, il y a que le vendredi, une fois tous les 15 jours, où je dois mettre ma caméra au taf, parce que c'est quand on boit des verres avec les collègues. Mais c'est important de socialiser correctement, tu vois, qu'ils voient ma tête un peu. Enfin, je suis un peu leur manager quand même, donc... Bah, puis ça va si tu manages par caméra interposée. Oui, voilà, mais enfin, d'habitude. Si tu sociabilises, je veux dire, par caméra interposée. Oui, voilà. Manager, c'est pas forcément hyper pratique, mais. Non. Mais du coup, en temps normal, je ne mets jamais la caméra. Mais du coup, bref, on s'en fiche, je n'ai pas besoin de me laver les cheveux, enfin. Tout ceci est très overrated. Donc, ouais, puis bah, comme nous, on n'est pas proprio, bah, on peut pas faire grand chose, en fait, donc on attend. Je crois qu'il y avait un ingénieur qui est passé à midi, mais on a testé tout à l'heure, il n'y avait toujours pas d'eau chaude, donc je ne sais pas. On est un peu dans le dark. Ah, dommage, Onza, trop... c'est triste. Peut-être un jour, écoute, c'est toutes les semaines, hein, donc... c'est un peu de merde, ces maps, hein. Ah, c'est vrai, elle est très bien, voyons. Il n'y a que toi qui l'aimes, celle-ci. Ouais, c'est clair. Et Étoile. Non, il y a Étoile qui l'aime aussi. Ah bien, on est encore en entraînement là. Ouais. Ouais, même si c'est 20h30, enfin 21h30 pardon pour vous. Je déteste cette map, je tombe tout le temps. Non, mais le boulet, mais... Oh là là. Non mais à chaque fois quoi. Non, mais pas du tout, en fait. J'ose pas prendre des raccourcis dans cette map, ils sont trop durs. Je sais pas les prendre. C'est pour tomber. Ils sont comme ça. Ils sont sur le côté, en fait. Ça fait des comme des petites piles de jeux, tu sais. Des formes en plastique empilées les unes sur les autres. Ah, sympa, ça, merci. D'accord. J'attendais d'être bien prêt pour te vider. Bon, après, étant donné que je m'étape déjà tous les murs, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, bah écoute, tu peux essayer, mais effectivement, moi je n'y arrive pas. D'accord. Ah non, oh merde, j'ai appuyé sur mon truc. J'ai la klaxon. Bon, c'est ça. No regrets. Oui, de toute façon, ça ne servait pas à grand chose. Ah, mais ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon parachute ne s'est pas ouvert. Ça pose un peu un problème du coup.
d'accord. Ah oui, bah j'ai réussi. Ok. J'ai pris un cut, mais bon, ça sert à rien. J'ai pas du tout gagné de place, quoi. Vu que c'est toi la première. Mais par contre, t'es méga loin, en fait. Ouais, je vois. Bon, la bleue te cherche quand même. Mais le bleu qui arrive. Mais, effectivement. Merde. Allez. Oh, le boulet, j'ai utilisé mes deux rouges. Pas du tout correctement. Oh bah, pff, oh bah génial, ok. Super. Mais pour... mais ça fait deux fois, mais c'est parce que quand on est petit, ça marche pas. Bonsoir. Coucou Virox. Salut. Maître de l'air frais, comment vas-tu? Ça va, le nez un peu bouché, mais ça va. Ah bah va pas t'enrhumer, hein. On prend pas du tout. Putain de gens de merde. Mais oh, l'autre il a cru que j'allais lui laisser ma deuxième place, pas du tout. Ça va, Chanza, bah écoute, quand tu peux, on est là. Hein. Y a pas de problème. En attendant, je te laisse mettre de l'ambiance dans le chat, vu qu'il n'y a pas grand monde. Voilà. Super démonstration de skill. Absolument, le skill de ouf. Du tout petit. Ah, le tournoi est désormais ouvert. C'est parti, mon kiki. Bah yes, génial. Erreur de communication. Ah bah merde. Oui, ça commence. Bah là pour l'instant, il y a que Charlotte et moi qui... on vous attend, on vous attend. Le Nintendo Online est en PLS ce soir. Ouais. Dimanche dernier aussi, il était pas... en fait, tout le temps. Et oui, et puis Ludoc non plus est pas là, du coup. On va se retrouver à faire la première course toutes les deux chats, je pense. Mmh. Bah moi je suis en mode spectateur. Ouais, le code c'est ça Ludoc, attends, tiens. Bon bah du coup vous aurez une course demain, c'est un peu nul ça. Bah, oh, c'est pas grave. Un challenge de plus, c'est pas grave enfin. On est pas là pour les points. Hein. Non. Effectivement, on est tous là pour le skills et on le sait. Ça connaît pas bien cette map. Ah, Club Mario, j'aime bien. Mais help! Vous connaissez par cœur le code avant de le refaire. Mais tu peux pas le... Parce que moi, je rentre pas le code à chaque fois. Tu l'as dans tes favoris une fois que tu as déjà participé une fois au tournoi. Oh. Un peu dur ce soir, chat. Ça marche pas du tout. Je pense que je vais pas faire le tournoi en entier. En fait, c'est vu qu'il y a rien qui marche, ça va me gonfler. Ouais, fair enough. Plus je m'énerve, moins ça marche. Donc. Effectivement. Bah, de toute façon, tu restes autant de temps que tu veux. Tu fais bien ce que tu veux, il n'y a aucune obligation. Ça marche pas trop mon côté non plus. Hein. Pourquoi je me prends les murs? C'est un peu chiant. Je profite de ma première place tant que vous êtes pas dans le tournoi Navy Rox. Mais moi je peux même pas y accéder, ça me fait erreur de communication mais tout pas. Ah merde, mais c'est relou ça par contre. Ça marche pas du tout, c'est fou ça. T'as réussi Virox à rejoindre toi. Ouais, oui.
Ah, donc tu es en train d'admirer ma performance incroyable. C'est ça. Du coup, j'ai spammé A, là, c'est bon, je suis dans la room, je suis dans le lobby, là, j'attends. Ah, ok. Bon, bah, ouais, par contre, pas sûr que tu sois dans le même groupe que nous si t'es dans le lobby. Ah ouais. Si t'es pas en spectateur, ça va être compliqué. J'aurais non, mais je vais quitter le groupe et... Il réessaye, re-spam. On en est au dernier tour, là. Va dans tes amis et fais rejoindre, tu seras plus... Ah oui, fais ça. Va, trouve-moi et rejoins-moi. Ah oui. Merde. Ah oh non. Mais qui est premier? C'est toi? Cool. Non. Non. Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi, je me suis fait voler la place sur la fin. Parce que du coup, il y a un décalage en fait entre toi qui parles et le stream. Et stream. Ouais, oui, effectivement. Et non, je me suis fait prendre la place par Peach. Normalement, si tu rejoins maintenant, ça devrait le faire, si c'est tu bon. Peux. C'est bon, tout bien. Ah, voilà, ouais. Cool, en plus, il y a Ludoc. Trop cool. Tu joues vraiment avec le gyroscope ou c'est juste pour te la péter? Non, pas du tout. C'est juste pour me faire rire. Qui joue avec le gyroscope, on déconne. Non mais oui, c'est clair. Qui? Bonne chance tout le monde. Exact. Non. Oh là là, mais. Oh mon dieu, mais c'est nul. Quel enfer. Oh non, mais je vais pas peine. Ah d'accord. J'ose jamais prendre le raccourci, je sais jamais si c'est vraiment un raccourci ou pas sur la gauche. Moi je le prends jamais, je crois que c'est pas très optique. Merde, c'est quand même moi qui la surprise. Super. On adore. Par contre, je dirais que c'est non quoi, en fait. Juste, si tu pouvais me laisser ma première place, ça m'arrangerait. Wow, disons que je suis pressé. Et... je suis j'ai hâte que ça finisse, alors je me dépêche. Tiens, la bleue va dépasser ça aussi. Mais relou, putain. Le pire timing. Merde. Ah, je me suis pris le mur. Quel boulet. La meuf qui prend une route qu'elle ne connaît pas, genre, pour la première fois. Merde! Oh non, pas assez rapide! Oh, l'erreur. J'ai été trop greedy, en fait. J'ai voulu prendre le champi qui était par terre et en fait, j'aurais pas dû... Mais ouais. Mais le truc, c'est que si j'avais pas pris, c'est toi qui l'aurais pris, Virox, comme t'as l'habitude d'aller à gauche, là.
Mais j'ai même pas vu le champi à gauche pour te dire. Ton influence, ça, Charlotte, de choisir les routes arc-en-ciel. Tu m'as fait changer d'avis, hein. Mais celle-là, je l'aime bien. Il y en a une que j'aime pas. C'est celle de la Wii, moi, j'aime pas. Je sais plus. Bah, c'est celle qui a pas de barrière ouais, et qui est relou, quoi. Il y en a une qui est plutôt... Enfin, plus facile, entre les deux. Celle qui a les barrières, elle est plus simple. Ah oui, forcément. C'est la course pour les enfants. Elle où tu peux pas tomber. Oui. Oh. Genre. Oh là là, il y a c'est quoi tous ces gens stack là. Oh merde. Oh le boulet. Je vais prendre le bimbo. Oh mais voilà, j'en ai marre. C'était tendu, hein. Ouais, et je me la suis pas prise grâce à ma... Quand ça me donne, je sais pas comment j'ai fait ça. Merde. Ah bah c'était pas fait pour. Oula. Je suis désolée Ludoc, c'était pas fait exprès. C'est pour moi hein, c'est ça? Non, c'est que je voulais la mettre derrière moi et en fait j'ai... je l'ai lancé. Le karma fait que je viens de m'en prendre une dragon. Alors dans ce jeu, mais c'est tellement tout le temps comme ça quoi. Je fais des trucs sans faire exprès et je me prends des. Tu sais, c'est comme quand t'es genre premier ou deuxième et tu te fais enchaîner. T'es douzième quoi. Bah, super. Merci pour le petit boost. J'ai entendu. Ah. C'est pas moi, c'est Link. En plus, comme je me prends les murs, c'est bon, je te laisse passer. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Je comprends pas. Ah non. Oula, oula. Alors là, c'était d'une violence. Je suis vraiment navrée. Oula. Se calme, s'il vous plaît. Je t'ai juste vu prendre le mur et arriver dans ma direction. Ouais. J'ai pas compris. Ah non, tu m'as poussé dans mon sac. C'est que j'ai pris un petit. Putain, je crois que c'était vraiment pas loin. Hein. J'ai pas maîtrisé les. Bon, je me trésorerai une fois en jeu. Non mais à chaque fois je me prends ce foutu mur, hein. J'apprends pas. Hein. On prend jamais de mes affaires. Non, clairement. Oula. Oh non, l'erreur. Si tu t'étais pas pris le mur, tu passais devant moi. Ouais, je pense pas. J'aurais lâché ma rouge avant surtout et j'étais trop déconcentrée à retourner sur le milieu de la route. Parce que je me suis fait bouffer par la plante. Oh là là. Putain, j'ai les doigts super froids. Bah ça aide pas, c'est pour ça que tu me dépasses pas plus que ça. Ouais. Sauf que bah, c'est ultra désagréable avec la manette. Ah oui, j'ai bien le croire, ouais. Il y a un peu de grippe, c'est... Fais un câlin à Akira. Il te réchauffera. Oh, même pas. Je l'ai quasiment pas vu de la journée. J'arrive à éduquer Biscuit pour qu'il fasse des câlins. Ça y est, maintenant, il vient sur mes genoux. Quand je suis sur ma chaise. Putain, la classe. Ouais, il a essayé de faire pareil sur les genoux de Tom, mais ça a mis un peu plus de temps, quand même. C'est toi qui l'éduques à ce qu'il vienne sur tes genoux ou c'est lui qui t'éduque à ce que t'acceptes qu'il vienne sur tes genoux? Non, alors en fait c'est qu'il essaye d'aller sur mon bureau et je refuse. Donc à la place, je le mets sur mes genoux. Et du coup maintenant il vient de lui-même.
Ah, ça c'est cool. Je suspecte que c'est parce qu'il essaye de choper la bouffe qu'il y a sur mon bureau à chaque fois, mais. Mais on va dire que. On va dire que c'est aussi parce qu'il a envie de câlin. Je viens de me foirer, mais big time. Non! C'est méchant, pas. Je suis dégoûtée là. Ça me dégoûte. Oh, oh là là, mais quel enfer! Je me suis pris l'éclair juste avant de prendre les objets. Bah, moi juste après, du coup. Mais non, mais arrêtez là! Vous êtes tellement loin. Oula. On dirait que je suis un peu bourrée quand je conduis des fois, c'est marrant. Je te fous le fun là. Non, ah ouf. Ah bah merde, ok. Super. J'ai fait des petits changements sur Wisebot, du coup. J'ai changé le format de certaines alertes. Maintenant, elles sont en bleu dans le chat. Ça les voit mieux. Elles n'ont pas toujours été en bleu ? Non, sinon, tu vois comme ta commande, elle marche ? Sinon, c'était comme ouais. Ça. Ah bon ? Ouais, la commande code, par exemple, quand tu faisais code, c'était écrit en blanc. Ah, c'est celle-là que j'aime pas, la route arc-en-ciel, je crois. Ah bon ? Ah, moi, c'est celle-là que j'aime bien, justement. Ah, bah, je sais pas. Bah, je l'ai choisi, on vous c'est elle dirait. Avec les barrières. Ah bon, bah, c'est peut-être ça. Ce jeu est fou, j'ai rien compris à la vie, pauvre Ludoc. Ça va non, bien non, se passer. Des fois, j'en mange, mais plein la tête. Ouais. Elle m'angoisse cette map. Ouais, j'aime pas beaucoup. Je m'étais si bien débrouillé au début et. Oula! Il n'y a plus personne. Ah merde! L'agression. Mais vous êtes tellement loin! Je vais jamais vous rattraper là, c'est impossible. Donc là on se bat mais c'est un truc de malade. C'est clair, on a un peu de s'en rentrer dedans quoi. Oh non, tu m'as arrêté la claque.
Oh le boulet. Oh putain, je suis trop nulle. Voilà, 15 points. Putain, le seul moment où je suis invincible, je tombe quoi. Super, super. Putain, j'ai une pièce quoi. Ah, youpi. Super. Surtout qu'au moment où la bleue elle est passée, j'étais premier. Mais oui, bah, elle avait déjà tout. Bon, j'ai fait trop de la merde sur cette fin de course. C'était un beau match. Bon. Bravo, oh, Ludoc. Bien joué. Ah, je crois qu'on a perdu ça. Ah oh non, non, j'ai cliqué sur prairie, mais je voulais pas faire ça. Ah oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Je voulais prendre Mute City et j'ai cliqué sur fucking prairie. Même. Ouais, bah moi aussi, mais c'était fait exprès. Oh non, tristesse. Putain, le bruit que mon clavier fait dans le micro, des fois, c'est incroyable. Oh, en plus, ça tombe sur moi. Non. Super. Ah, bah ouais, bah c'est de ta faute du coup, hein. Bah ouais. La relou nulle. Nul sur 20. Oh là là. Je mériterais de finir dernière, c'est pour moi. Je vais rester à la ligne d'arrivée. Je vous attends, ok? Allez-y. Je vous attends, hein. Salut. Oh là là, oh là là, c'était prévisible. Ce serait beaucoup trop demander que ça reste comme ça. Putain de vache! Mais non! Ah, mais non! On aime toujours la prairie meumeux! Oh hein putain, la connasse! Oh, bon, je suis dégoûtée. L'expression c'est putain la vache. Oui, bah non, c'est pareil. Oh, je suis dégoûtée, j'étais si bien partie. Putain, j'ai trouvé une nouvelle route, trop bien! Ah bon? Quelle est la différence? C'est que tu te fais pas freiner par l'herbe. Ah! Vas-y, je te suis. Enfin, du coup, non. Ah merde! Je me suis. Si. Oh là, oh là, oh là! Oh 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 oh! On se calme là, hein! C'est pas ce qu'on veut. Oh non, hein! Oh non! C'est méchant! Désolé! On était dans la mêlée là, c'est pas possible. Voilà, vous m'avez complètement semé là. Je suis tellement triste. C'était dit avec tellement de conviction. Je suis triste là. Je suis triste, ok. Merde. Ah, ce Par contre, on n'entend plus Alan. Non, elle est partie du coup. Ah oui. Elle était crevée. Elle a rage quitte. Non mais ce jeu te fait ça en fait. Bah il faut pas faire le tournoi de ponce hein, parce que là... Ah non, mais moi c'est psychologiquement, je suis pas prête en fait. Pas tous les tours quoi. Les vaches c'est bon que pour le lait et chauffer les maisons, dit Ludoc. Chauffer les maisons... Alors, Halloween, tu peux venir sur mes genoux si tu veux et faire la ronron thérapie, mais tu ne peux pas rester devant l'écran. Bouge. Oui, oh. Ah ok. Bon bah il vient de s'allonger sur mon clavier, tout va bien, super, on adore. Tiens, moi j'ai mieux que la ronron thérapie. C'est quoi? Bah du coup je vous la montrerai juste après la course. Moi aussi j'ai un peu peur du coup. D'accord. Ok, sure, pas de problème. J'adore. Cette map, c'est tellement le bull. Ah ouais, c'est trop bien, j'adore. Ça me fait rire.
Sauf quand je suis quatrième, j'aime pas. Ça me va pas du tout. C'est pas qui fait quoi, qui... Oh non! Pas si loin derrière moi. Ouais. Bah dernier tour là. What? Mais what? Mais comment c'était possible? Bien ouais, je... tu m'as dépassé. Ouais. Ah, j'ai pas vu arriver celle-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non mais j'adore cette map parce que tout est possible sur cette map. Bah je me suis pris tous les objets dans le dernier tour. Ah sympa. Oh non. Oh non. Quel enfer. Alors mieux que la ronron thérapie, c'est là. Ça me fait. Et du coup j'ai envie de faire pipi maintenant, bravo. Merci. Ah bah de rien. Halloween, tu veux venir sur mes murs? Tu veux faire un câlin? Bah viens là. Il me regarde avec ses grands yeux genre hm? Mais ouais, Park Baby, c'est un de mes trucs préférés, juste une de mes maps préférées, juste parce que c'est trop le bordel, j'adore. Ouais, c'est clair, ça me fait rire aussi. Quelqu'un est fatigué. Ouais. C'est bien fatigué, là. Attends, j'ai bien dormi, je me suis fait réveiller à 11h30, puis après j'ai refait une sieste l'après-midi. Normal. Mais quoi? Attends, on dirait mon rythme de vie. Je suis trop pareil. Bon, j'ai pas fait de sieste, mais Oh non. Je suis quand même levé à 11h. Ah ouais, putain, moi j'étais debout, il était 8h30. Par contre, demain, il y a des chances que je sois debout à 8h. Pourquoi? Que je vais me coucher très tôt. Ah oui, parce que du coup t'es fatigué, mais effectivement. Ah oui, non, mais moi ça va pas m'empêcher de me coucher à 3h comme tous les soirs. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Depuis Noël, j'ai pris un rythme de merde. Bah en plus, là, comme toi, t'es jamais. Jamais au boulot. Bah ouais, boulot. Non, parce qu'en plus, on est toujours en confinement, donc en fait. Ça change rien du tout. Et en fait, avant Noël, ce que je faisais, c'est que je me levais à 8h et en fait, je faisais du yoga, je prenais mon café tranquille avant de bosser et tout. Je commençais le boulot à 9h et là, depuis la rentrée, je me lève à 9h et j'allume mon PC à 9h01 quoi. Bah des fois, hein. Mais merde quoi. Mais j'arrive plus à me coucher juste après le stream en fait. Je suis trop. Je suis trop wired en fait. C'est assez compliqué. Du coup, je traîne. Je regarde des vidéos, des émissions. Ouais. Top Chef. Voilà quoi. Ah, j'ai regardé Popcorn. Mardi soir, c'était hyper intéressant. C'est Rivenzy, hyper cool. Rivenzy, il a trop géré. C'était trop bien. J'avoue, c'était trop bien. Oh là là, j'ai fait. Non. Ah bah moi, clairement, je suis sub à Domingo juste pour pouvoir avoir ses VOD le jour même en fait. Parce que du coup, en général, je. Non, j'avais un klaxon. Oh non. Parce que typiquement, ce que je fais, c'est que je regarde Popcorn le mardi soir en fait, le même soir après avoir streamé. Ouais, bah ouais. Et que j'ai trop pas envie d'attendre le week-end pour avoir la vidéo sur YouTube. Bah ouais, ce matin. Ouais, c'était hyper cool. Ouais, c'était hyper cool. J'ai jamais regardé Popcorn de ma vie. T'aimerais bien, je pense. Ouais, moi je trouve ça vachement bien. Enfin, moi j'aime bien. C'est hyper intéressant. Ce que je regarde, c'est le rewind. Le rewind. Le rewind. Ah, c'est tellement drôle. Ma soeur, elle me disait qu'elle aimait pas du tout le jingle du rewind de Twitch. Ouais, moi je l'adore, je chante tout avec.
C'est juste tellement bien. Mais d'ailleurs, franchement, le clip que tu m'as renvoyé hier, Virox, il aurait été parfait dans le Rewind. Lequel? Celui de Rust, celui où je me suicide. Ah oui. Il aurait été, mais absolument parfait. Encore? Ouais. Eh ben, décidément. Ce jeu, il choisit que les maps qu'on a déjà faites. T'as que 5 points de plus que moi, Virox, franchement. Une course en moi. Ah oui, enfin, pardon, j'avais oublié ça. Je veux pas enfoncer le clou, mais. Merde. Oh, bah merde, bah du coup, je suis plus aussi fière de moi que ça. Franchement, t'es souvent dans le top 2. Hein. Voilà, ce soir, ouais, effectivement. Je suis un boulet. Ludoc, fais gaffe à tes fesses. Je te préviens. Putain, je suis dégoûtée. Je suis passée entre les mailles du filet là. Oh mon dieu, je viens de passer 7ème. Mais quel enfer. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule et pas dire que je me débrouillais plutôt pas mal ce soir en fait. Non mais non mais... Oh là 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 là. Putain, vous êtes pas si loin que ça en fait. J'ai encore une chance. C'est... Oh là, oh là, oh là, c'était... Ah bah ok. C'est le dard, ouais. Et ben très bien, ok, ok, on se plaint pas. Le missile m'a ramené de la 6ème place à la 2ème place. On verra que tu vas être très loin des gens, parce que... Oui. Ouais, mais il... les objets qui tombent. Ouais, mais il se prend quand même la bleue, hein. Heureusement. Tellement, non. Non, t'es pas si loin devant que ça, t'es juste devant moi. Bah maintenant, oui. Ouais. Bon, j'étais en 3ème, j'avais une bleue. Oh non, merde, non, toi, c'est méchant, alors ça, c'est méchant. Hein. Putain, je vais jamais le rattraper là, c'est fini maintenant. GG. GG. Tu l'avais fait toi, Lana, Ori, le jeu? Non, pas du tout. C'est trop bien. Je sens que je suis en train de devenir addict en fait. Ah ouais. Je sais même pas de quoi ça parle. C'est un platformer trop joli avec de la musique de ouf. Un peu dans le genre Hollow Knight mais en plus facile. Ah oui, je vois, oui. Ah oui, ouais, je crois que j'avais juste vu le... C'est trop bien. Les images vite fait. C'est trop mignon. En fait, c'est triste, mais c'est mignon. Enfin, je dis en plus facile que Hollow Knight, mais hier j'ai dû essayer au moins 50 fois de finir le premier donjon, un truc de fou. Super, super. L'autre jour, j'ai vu Little Big Whale rager dessus pendant des heures. Sur Ori? Ouais. Ah ouais? Je sais pas quel jeu. Si, si, elle l'a fait. Ça me rassure si je suis pas la seule à rager. C'est bien. Mais je rage quand même beaucoup moins que sur un Hollow Knight ou un Zelda. Hein.
Ah oui, hier c'était pépouze. Mais la musique est tellement bien qu'en fait ça, ça rend tout ça mieux en fait. Oh, merde. Eh merde. Ah non, c'est bon. Tu l'as eu ? Oui. Ah, bon bah de toute façon j'ai eu un éclair donc. Non mais l'éclair on l'a tous eu hein. Oui mais c'est vrai. Ah. Merde. Ah bah champi gratuit pour toi. Hein, du coup. Bah non, je passe pas par là. Ah, pardon, je pensais. T'inquiète. Eh bah c'est à gauche qu'il faut tourner. Oui bah ça va hein. J'ai dérapé dans le mauvais sens, ça a pas marché. Allez, cadeau. Et merde. Mais quoi ? Ma carapace qui se prend une banane sur la route, c'est... Mais... What ? Hein ? Ah bah putain, bah GG's hein. Bah j'avais une banane mais je me suis pris un truc et ça a pas marché ouais. Du coup je suis tombée, j'ai perdu ma banane et tu m'as pris la première place. Super, j'adore. J'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose au niveau des, ouais, des c'est maps. Clair que... Allez, un petit aléatoire comme ça. Allez, on a peut-être une chance d'avoir un truc. Allez, soyons fous. Soyons fous. Voyons fous. Voyons fous ce Ah non, trop loin. Ah non. Eh merde. Je suis pas fan de cette map. Merde. Moi je l'aime bien. Ah non, c'est bien. Il faut trop tourner et je me prends les murs et tout, c'est chiant. Non mais en fait, si on m'écoute, j'aime pas beaucoup de map. Hein. Mais à part ça, je suis pas difficile sinon. Ça va. Vous savez que les créateurs de Mario Kart ont caché un secret dans cette map ? Ah bon ? Ouais, ouais. Je sais quoi ? Oula ! Bah, en fait, les créateurs, tu vois, ils aiment bien un personnage dans Mario. Et ils l'aiment vraiment beaucoup, hein, mais genre, vraiment beaucoup. Et ils l'ont fait revenir souvent et tout. Et en fait, le personnage, c'est un dragon. Et ils ont décidé, en fait, ils ont créé le... Ouah, j'ai rattrapé le dernier. Ah bon? Mais pourtant, je suis juste derrière toi, là. On a rattrapé le dernier. Regarde, Waluigi, il est juste là, à côté de moi. Chaud.
Bah, enfin, je peux pas voir parce que je fais de la merde, mais à part ça... Je me prends tous les murs. C'est incroyable. Ouais. On dirait que je suis bourrée. Merde! Mais what the... C'est moi vivre. Ouais, du coup, ils ont créé cette map tout autour de ce personnage-là. Et en fait, c'est Yoshi, ils aiment bien. Et en fait, le circuit, il a la forme d'un Yoshi. Ah oui, mais on le voit sur la minimap avant, quand tu choisis le circuit. Je sais. C'est pour dire un truc inutile. C'est pour ça que j'ai fait traîner en longueur. C'était une jolie histoire, après. Voilà. Hein. Moi, j'ai jamais fait gaffe, hein, donc j'ai dû m'avrer. Moi, je regarde jamais la minimap, en fait. Non, mais pas la minimap, mais l'image quand tu choisis le circuit, tu sais. En fait, c'est un poster d'une map en forme de Yoshi. Je suis pas gaffe non plus. Du coup. Mais sur la minimap, elle est aussi en forme de Yoshi. Ah, ouais, regarde. Du coup, j'ai regardé la minimap, mais quand je roule, je la regarde jamais. Ah, non, j'ai regardé, je fais un moyen, on dirait un Yoshi. Je regarde jamais les minimaps. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable ce qu'on apprend ce soir. Quelle soirée de folie. Oh, putain, ma vie elle a changé. Et ouais, attends, c'est quoi, que la moitié du tournoi. C'était pas si inutile. Ouais, comme quoi. Attends, on est qu'à la moitié du tournoi en plus, donc tu sais jamais ce que tu vas apprendre d'autre. Hein. Ah bah attends, je trouve que je vais apprendre que la map château Bowser, elle a un temps de Bowser. Hein. Les pieds saoulent là, vas-y. J'aime bien cette map, mais elle est hyper dure. Ah, j'ai presque réussi à rentrer le cut là. Oh, évidemment! La concentration est palpable. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me prends les murs? Vous pouvez m'expliquer? Je suis vraiment de la merde. Incroyable. Mon dieu. Tout à l'heure, j'étais en voiture avec ma mère et mon petit frère. D'un coup, je me souviens d'une anecdote que j'ai vue dans une vidéo. Hein? J'ai pris une verre. Je savais que la map de Yoshi. C'est là que je me suis rendu compte. C'est là qu'il y avait un easter egg. C'était pas ça. Mais on est sur le même niveau, hein. Et je suis à ma mère, je savais que le caca c'était blanc en fait, de base. Ah! Oui, les bébés, comme ils boivent que du lait, bah du coup ils font. Voilà. Leurs selles sont blanches, jaunes. Il y a quelqu'un qui vient de sonner, je termine ma course d'abord. Je sais pas comment on peut faire pour ramener plus de monde sur le tournoi. Je sais pas. Ce serait bien qu'on ait moins de bots quand même. Bah ouais. Bah c'est plus valable. Il y a moins de bots. Vérox, si tu parles, on t'entend pas, hein, je te le dis. Au cas où tu t'es mute et que t'as oublié. Mais on voudrait bien savoir la fin de ton histoire quand même. Cette histoire fascinante de caca, je devrais bien avoir la fin. Complètement. Re.
Ah, il est de retour. Eh ben, on est resté dans le thème du caca, étant donné que c'était mes voisines qui venaient me demander du papier à toilette. Ah, effectivement. Ah, quand on a cours de PQ, ça, c'est toujours ça, mauvais. Ça, c'est... Ouais, effectivement. Ouais. Mais c'est bien, ils ont choisi le bon moment, pile entre deux courses et tout. C'est ça, pendant qu'on était dans le thème. Parfait. Franchement, il faut les féliciter. Si ça se trouve, elles sont sur le stream, hein, c'est ça, timing. En fait. Ah ouais, ça doit être ça. Quel enfer. Ah, j'aime bien cette map. Ah oui, du coup, mon anecdote. Oui. Donc, je dis ça à ma mère, je lui expliquais tout. Et puis là, mon frère, il fait « Ouais, c'est comme le sang, de base, il est bleu. » Oui. Je fais « Non, le sang, il est bleu quand il n'a pas d'oxygène, mais sinon, il est rouge. » Et là, il me fait « Non, non, le sang, il est bleu et tout. » Je fais « Non, le sang, il est rouge quand il est chargé en oxygène. Et c'est vrai qu'il devient un peu bleu quand il n'y en a plus. » Et là, il me fait « Non, mais maman, vas-y, explique-lui. » En mode... T'es 2B quoi. C'est de la merde. Mon petit frère qui me dit ça, je fais non mais ouais ça va, tu te prends pour qui là? Et du coup je lui dis ça, enfin finalement bref, on dit ça. Et puis là avec ma mère et tout on fait, et pourquoi on parlait du sang bleu encore? Et on se savait plus. Et là il y a mon petit frère, il fait, parce que le caca il est blanc, on y est. Non mais... Quel connard ce mec! Il avait trop le seum en fait! Quel enfer! Ouf. Oh là là, oh là là! Oh là, c'était l'hécatombe là! Catastrophe! Oh merde! Oh non, non, non! Oh mais non, mais putain, mais quel enfer! Oh là là! J'ai rien pour me protéger en plus! Oh là là! Ça m'a perturbé ton histoire en fait. Non mais c'est fou, on devrait transformer cette soirée en tournoi Mario Kart et Culture G. J'ai des anecdotes comme ça. Écoute, je t'en prie, raconte-nous tout. Laisse-moi passer. Oh merde, il reste un tour. Ouais, un tour, moi aussi je pensais que c'était le dernier tour. Attends, sinon j'allais finir 7ème. Oh non, je... Mais non, mais à chaque fois je me prends cette... Au revoir, quoi. Foutu par... Oh, j'en ai marre, putain de... Oh là là, mais... Juste après les objets. En plus tu viens me prendre mes objets, Virox. Mais et Ludoc qui vient là, qui nous double et tout. Non mais... Ouah, mais quel bâtard, Ludoc! Waouh, la violence! Il verse en arrière, comme ça, comme si de rien n'était. Bah... Ouais, 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 il arrive là, il fait le fou. Pas le fou. Mais tiens, toi. Oh non, 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 c'est pas cool! Oh non! Oh putain, j'ai peur, Pardon! Ça va. Ah, ça m'a fait plaisir. Pourtant j'ai rien fait. J'ai trop cru que j'allais me prendre une deuxième et j'allais finir au fond du tronc quoi. Bah j'aurais pu mais je l'ai balancé devant en fait. En me disant quand même je vais pas être une méga bitch. Voilà. Oh, Excite Bike. Tout le monde la kiffe cette map. Ouais. Je l'aime pas autant que Park Baby. Mais elle est cool aussi. Unanime, carrément, c'est ça, tout à fait, Ludoc. Oh, je suis dégoûtée au fait, le site où je regardais SNK à partir de la saison 2, épisode 3, c'est payant. Je t'écoute. Ah. Donc bah je vais regarder, enfin faut que je regarde un peu plus près si je trouve autre chose, sinon je vais payer, je m'en fous. Mais... Bah sur Netflix si... Ouais, bah, sur Netflix. Bah ouais, mais Netflix France, oui, mais pas Netflix UK malheureusement, parce que je sais pas c'est quoi leur problème ici, mais non, je ne savais pas. Mais ils sont aussi sur Prime Video, il me semble aussi. Ah sur Prime, ah bon? Ah bah... Ouais. Bah et ben on va regarder ça.
Bah, je sais qu'ils y ont été un moment, je sais pas s'ils se sont toujours. En plus, là, la saison 2, elle était en anglais, ça me fait chier, moi je veux du japonais. Ah ouais, non, ça faut pas regarder les... Bah, surtout en anglais, quoi. Oh, surtout en anglais, c'est clair, t'as aucune... Pourquoi ? Aucune intonation de voix. Bah, disons qu'en français, on a l'habitude du doublage. Nos comédiens, ils sont archi bons, en fait. En... Ouais, bah oui, mais c'est parce que... Mais j'avais lu... J'avais lu qu'en fait, bah, du coup, en français, déjà, c'est des comédiens, en fait, c'est des acteurs de doublage. C'est ça. Hein, en France, on a l'image, en fait, ils ont l'image en même temps, et le texte qui défile, alors qu'en anglais, ils ont juste le texte, en fait. Genre, ah, ok, donc ils savent pas tous les ce acteurs qui ont doublé, genre Toy Story et tout, tu vois, mais en fait, ils ont que le texte. C'est pour mais ça que des fois, le truc, bah, ils ont pas l'image, en fait, et du coup, c'est pour ça que des fois, c'est un peu plat. Ah, ouais, mais c'est nul. Ils ont rien dit. Oh, les gars, là, on se calme. Et d'ailleurs, en France, on est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pays, au niveau du doublage. Après, j'ai jamais essayé pour les animés, quoi. Mais c'est vrai qu'après, bon, bah, tout ce qui est en VO, je regarde jamais en français, quoi. Si j'ai le choix de l'anglais, je regarde en anglais, mais... Moi, ça dépend, genre les séries un peu pourraves, tu vois, genre Grey's Anatomy et tout, je regarde en français. Ah ouais, bah ouais, voilà, moi j'ai pareil. Trop l'habitude de plus, en fait, du coup, maintenant... En général, je teste la VF et puis après je vois si je l'aime bien ou pas. Je trouve que la VO c'est tellement mieux parce que du coup t'as vraiment le genre de vrai caractère. Oui, c'est ça, quand ils gueulent parce qu'ils veulent sel, et ben voilà, ils gueulent parce qu'ils veulent sel. T'as des jeux de mots qui peuvent pas être traduits et tout. Oui. Après, en général, tout ce qui est film d'animation ou animé, je regarde en VF. Moi, les dessins animés, tu vois, tout ce qui est Disney et tout, je regarde que en VF. Voilà, parce que pareil. Du coup, je trouve que la VF est extrêmement bien. Ah, par contre, si je regardais les Disney, genre si je regardais Le Roi Lion ou Aladdin, il faut absolument que je regarde en français, par contre. Mais ça, c'est une histoire d'habitude. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un truc de nostalgie aussi, parce que tu complètement. En français quand t'étais petit. Ah, mais complètement. Mais là, de toute façon, je suis en mode nostalgie, mais 10 000%, quoi. En ce moment, je viens d'acheter des BD que je lisais quand j'étais gamine. J'arrête. Mais parce que je peux pas rentrer en France! Et ça me manque, en fait. Et du coup, ouais, tout ce qui bouffe et tout, dès que je peux me raccrocher un peu au truc qui me rappelle mon adolescence ou mon enfance, j'y vais dire. En ce moment, c'est incroyable. Ah, c'est la période qui fait ça. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Encore Roue du Dragon, sans déconner. Bah, c'est comme moi, tout ce qui est Marvel, c'est en français, parce que bah, j'ai commencé en français, donc... Ah ouais, alors que moi j'ai commencé tellement tard que du coup je les ai vus qu'en anglais. Oh, j'ai trop hâte là, Falcon et Winter Soldier. Ah oui, bah, j'ai regardé WandaVision hein, du coup aujourd'hui. Ah oui, mais c'est trop bien, j'ai trop aimé la fin. Kiffé, c'était trop bien le dernier épisode. Ah j'avoue. Ah. J'ai chialé. Bon alors. Je suis trop émotive. Oh non, il m'a pas donné envie de chialer, mais j'étais là, mais quoi, c'est cool. Je peux son petit costume, il est trop classe. Ah ouais, ouais. Elle est tellement classe. Elle est trop classe. Et je pense que du coup, avec la fin, je pense que du coup, ça pourrait amorcer aussi le film avec le Dr. Strange. Tout à fait, bah ouais, d'ailleurs, je pensais qu'il y aurait un truc avec. Direct, tu penses à Dr. Strange. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi Dr. Strange, ce sera sur quel sujet ? Non, ça va être un film. Bah, du coup, le nouveau Dr. Strange, du coup, ça va être un truc un peu plus dark, ça va être un truc un peu plus sombre, ils ont dit. Non, c'est bon. Donc du coup, ça va être encore une histoire de monde parallèle et tout ça. Je sais plus exactement le pitch, mais... Comme d'hab, quoi. Oui. Moi, j'aime bien Dr. Strange. J'aime bien Ah, moi, j'adore, Mais enfin, mais tourne dans le bon sens, putain. Je fais n'importe quoi. Du coup, bah, avec Dr. Strange, il va y avoir Scarlet Witch. Ça sera trop bien. D'accord. Ouais. Ça va être trop cool. Moi, j'ai trop envie de voir le prochain Thor aussi. Oh, et les Gardiens de la Galaxie, ça va être trop bien. Prochain Thor, c'est le même réalisateur que celui de Ragnarok. Et Ragnarok, j'ai moi aussi, j'ai tellement rigolé. J'ai trouvé ça si drôle, quoi. Et surtout qu'un mélange de Thor et des Gardiens de la Galaxie, ah, mais ça va être explosif. Ça va être génial. Non, mais quel boulet, mais je suis un boulet, mais de l'extrême.
J'avais tellement une jolie première place, tellement une opportunité de fou. Surtout qu'avec le titre, les Asgardiens de la galaxie, t'as l'impression qu'ils ont, ils ont prévu ça, mais depuis il y a 15 ans, quoi. Mais oui, non, mais ça va être trop ouf. J'ai trop hâte. Mais ouais, du coup, là, il y a Winter Soldier et Falcon qui sort bientôt, non? Ouais, 19 mars, j'ai vu. Ah, cool. La semaine prochaine. Cool. Moi, je suis pas du tout fan de ça. Non, dans deux semaines. Je suis pas du tout au courant de quelle date on est. On est le 6. Ouais, toi, Virox, non? Bah, Captain America, j'ai bien aimé le premier, mais voilà quoi. Et mais Winter Soldier et Falcon. Bah, moi. Winter Soldier, c'est mon préf de Captain America. Au début, je l'aimais pas du tout. J'étais là, wow, c'est quoi cette merde et tout. Bah, moi, j'aime pas Captain America de base. Enfin, j'aime pas. C'est celui des Avengers que j'aime le moins. Après. Ouais, voilà, pareil. Ah, je sais pas, moi, je kiffe bien. En fait, je crois que je suis un peu genre. Donnez-moi aussi, tout ce que vous pouvez, je prends. Une petite part de stack, hein. Oui, aussi, forcément. Hein, Gabriel. Juste comme ça. Juste en passant. Juste en passant. Mais ouais, non, mais moi, de toute façon, je prends tout ce qu'ils peuvent nous donner. Hein. Je m'en fous. Je suis un peu comme ça. Oui, oui, c'est que même si t'aimes pas spécialement, je trouve que c'est toujours, faut toujours bien regarder, quoi. C'est ça. Non, mais je crois que c'est pour ça que je suis aussi hype pour le remake de Pokémon Perle et Diamant, en fait. Oh, je oui, m'en j'ai vu c'est ça. Parce qu'en fait, je m'en fous. Qu'il soit, que ça soit un remake ou pas, ou que ce soit pas forcément tout ce que les gens attendent. Moi, je prends n'importe quoi, ouais. je suis prête à jouer à n'importe quoi tant qu'on me donne du contenu, quoi. Bah du coup, bah, c'est ce que Ponce disait, que lui, il était bien, enfin, il était hypé parce qu'en fait, il avait jamais joué. Ouais, bah moi non plus. Celui-là. Et moi, je te parais, j'ai jamais joué à. Moi non plus. À bah moi, j'ai fait que. Du coup, je suis trop contente parce que du coup, je vais pouvoir découvrir, tu vois. Bah, c'est ça. Pareil, moi j'ai fait que la première génération et après j'ai joué un petit peu aux générations 6 et 7, je crois. Mais j'ai jamais fait celle-ci, donc je suis refaite. Donc effectivement... Moi je suis refaite et puis j'ai... Je suis hyper hype pour le nouveau jeu aussi, tu vois, même s'il ouais, y a plein de gens qui... Il a l'air prometteur, tu vois. Je pense qu'il a encore besoin de développement. Mais... Ah bah clairement, c'est que les premières images et tout. Un monde un peu open world et tout. Mais... Et je m'en fous si les gens ils disent que c'est copié sur Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est un des meilleurs jeux. Si c'est oui, copié bah, dessus, mais tant mieux. Tu regardes Phoenix Rising. Ah bah clairement. clairement, c'était vraiment similaire. Je m'en fous en fait. Donnez-moi n'importe quoi. Déjà. Je veux dire. Voilà. Tu t'amuses, tu sais. Le jeu vidéo, c'est pour s'amuser, tu sais. Ouais, ces gens, ils prennent les trucs trop sérieux, tu vois. Après, évidemment, oui, tu peux être déçu, tu peux être plein de trucs, mais. T'as dire quoi, c'est surtout qu'à ce niveau, Call of Duty s'est copié sur Battlefield, CS, ah bah oui, et oui, tous les c'est autres ça. FPS, quoi, en fait, au final. Non, mais c'est ça, et... merde, c'est pas ça que je vais faire. Je suis désolé. Ah, mais non, t'as pas du tout pris mon truc, t'es beaucoup trop long. Okay. Oh là là. C'est une catastrophe, c'est pas mal. Ah, ouais, c'est vrai, Onza, toi aussi t'as hâte. Bon, bah tant mieux, je suis contente. Bah, t'as oh son. J'ai réussi à dodge la bleue sans faire exprès. Bah, comment t'as fait? Bah, je me suis pris une banane juste avant, sauf que je l'avais pas vue. Ah, ok. De toute façon, là, les nouveaux jeux Pokémon, on les fera en stream, il n'y a aucun souci. Aucun souci. D'ailleurs, je pense qu'on essaiera aussi Pokémon Snipe à la fin avril. Pokémon juste Snap, parce que... Juste parce que, quoi, en fait. Juste parce que j'ai jamais joué au premier et que aller prendre des photos des petits Pokémon, je m'en fous, ça me paraît très bien pour une soirée chill. Ça va être méga chill. Ah, Park Baby. Encore. Ah, c'était un enfer ta course, Ludoc. Oh non, mon pauvre. Ouais, j'avoue, moi aussi c'était pas. Mais j'avoue que là, il n'y a pas tant de jeux que ça qui ont été annoncés pour cette année qui me hype de ouf. J'attends pas grand chose en fait. J'attends. Ouais, j'attends le 16 juillet pour Skyward Sword, mais c'est encore un remake, donc bon voilà, c'est pas non plus un nouveau jeu, mais bon, pour moi c'en est un, donc tant mieux.
Ouais, moi aussi j'ai jamais joué à Skyward Sword, donc du coup je suis plutôt j'ai trop hâte. Bah je suis refaite de pas avoir à acheter une manette de une Wiimote et le capteur quoi. Ah, spécialement pour ça. Ouais. Franchement ça me va très bien. Et puis ben du coup je sais pas si le deuxième Horizon il va sortir cette année, je sais pas ce qui est prévu. Je sais pas. Parce que ça par contre je suis méga hype, ça c'est sûr. Bon pour ça il faudrait que j'ai une PS5. C'est un peu ça le problème aussi. Mais ouais. Là, c'est une denrée rare hein, cette année. Ah bah là clairement il y a eu un petit restock là sur Amazon la semaine dernière, mais je viens de m'acheter une chaise hors de prix, je ne peux pas me payer une PS5 pour l'instant. Donc on va attendre. Alors là, par contre, cette course est un enfer pour moi, hein, cette fois-ci. Là, ça ne... là, c'est compliqué. Hein. De toute façon, il y a rupture de stock sur les PS5, sur les vaccins. Mais non, c'est dingue. Ah, mon frère il s'est fait vacciner il y a 2 jours, je suis refaite. Ah, c'est cool ça. Enfin. Bah, c'est son centre de dialyse du coup qui a organisé. Donc, je pense qu'ils doivent avoir accès à des zones, des doses bah, pour, les, ouais, pour les gens qui sont dialysés et qui ont des problèmes de santé, je pense. Ouais, oui, du coup, les gens dialysés, c'est des personnes un peu plus à risque. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Il aura quand même fallu attendre longtemps avant qu'il puisse. Bah ouais, et surtout qu'en plus, comme il était à l'hôpital il y a pas longtemps et tout, on aurait pu croire qu'il lui proposera à ce moment-là, mais non. A priori. Hein. Mais du coup, c'est cool, il a son rappel dans 3 semaines, là, donc après, il va enfin pouvoir reprendre un peu une vie normale. Bah, tu m'étonnes. Parce que bon, le pauvre, c'est vrai que comme il est vachement à risque, il est vraiment pas sorti de chez lui, quoi. Donc, pile poil pour ses 30 ans, du coup. Sacré cadeau. Ouais. Mon frère, il va avoir 30 ans, les gars, mais c'est horrible, je me sens trop vieille. C'est censé être encore un bébé. Ton petit frère ? Mais ouais ! Ah oui. Et ouais. Ça fait 2 fois que je fais la même merde. Ce serait bien. J'ai pris un mini coup de vieux tout à l'heure parce que j'ai entendu le gosse des voisins parler. Ah. À savoir que quand je suis rentré dans mon appart, c'était encore un bébé qui pleurait. Merde. Effectivement. Non, ça va être pire encore parce qu'il va pleurer et parler. Voilà, c'est ça. Putain, ça y est, il s'est parlé. C'est trop mignon. Je me rapproche beaucoup trop dangereusement du bord là, ça me va pas du tout. Putain. Ça va bien vous deux là haut? Rendez-moi ma première place. Ça va bien. Hein. J'étais si bien, j'avais le petit klaxon et tout, j'étais prête. Merde! Je suis également un gros boulet. Pas passé. Non. Tiens, ça me fait mais penser. Mais non, j'avais aussi un klaxon. Oh, c'est génial. Oui.
Ça me fait penser que j'ai toujours pas récupéré les objets Mario dans Animal Crossing. Il faut vraiment que je le fasse. Donc ça soit trop tard. Ouais, mais c'est pas définitif. C'est pas définitif les trucs. Tu peux les acheter juste au mois de mars, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est que dispo pendant un mois. L'autre jour, je me suis dit, est-ce que je relance tout, est-ce que je refais mon île, et après je me suis dit, non. non. Je vais pas faire clairement ça. Pas. Ah oui, c'est juste pour le mois d'anniversaire Mario, effectivement, ce serait logique qu'ils aient fait ça. D'accord. Mais... Ouais, non, oui, moi je recommence pas, mais j'ai commencé un truc, j'ai enlevé plein de trucs d'une zone et je veux faire une forêt, et j'ai tous les arbres dans mon inventaire, et ça fait un mois que j'arrive pas à trouver la motive pour le faire, quoi. J'ai juste pas envie, en fait, ça me saoule. J'ai la flemme. Mais n'empêche, ils ont... Ça fait un an, hein, bientôt que c'est sorti. Ouais, ouais, bah ouais. Bah dans 10 jours, ça fera un an. Il est sorti vraiment au bon moment, quoi. C'est ça. Le truc l'an dernier. Bah, dans 10 jours, ça va faire un an que j'ai commencé mon nouveau boulot, donc ouais, ouais, c'est ça. C'était le premier jour du confinement, le 16 mars. Ouais. Et c'est pareil, le jour, il y a eu un truc, c'était... Ça m'a fumé, c'était 4 ans de la Switch. Ça fait déjà 4 ans, quoi. Ah ouais, moi, du coup, ça fait que 2 ans et demi que je l'ai. Ce que j'ai eu pour la sortie de Pokémon Let's Go. Ouais, moi aussi, ça doit faire moins longtemps que je l'ai, mais c'est bien. Ouais, c'est fou. Ah. Mais ouais, du coup, les jeux qui ouais, le nouveau Zelda qui sort du coup, enfin, le remake de Skyward Sword qui sort cet été, peut-être Horizon Forbidden West, je sais pas trop, c'est cette année. Pokémon Perle et Diamant. Et à part ça, parce que ouais. Merde. Oh non, le boulet, je suis tout seul en train de faire une course. Ouais, d'habitude, il y a au moins un gros jeu que tout le monde attend. Ah ouais, et là, franchement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Parce que Hogwarts Legacy, c'est du coup décalé à 2022. Le nouveau Pokémon aussi. Donc, je sais pas. Je suis en train de faire une merde internationale sur ce circuit, c'est horrible. Coucou Crystal, comment tu vas? On retrouve le champ lexical du caca encore une fois. Ah mais... mais tout le temps, tout le temps. Qui a réussi à sortir du circuit? Moi. Oh là là, bah super, merci la bombe. De rien. Je vais la mettre là, juste là, comme ça, juste après tout, elle va pas le voir. Oh là là, quel enfer. Tard, mais... Bah ça va, Crystal, ça va, ça va. Petit tournoi, tranquillou. Même si je viens de me foirer bien comme il faut. C'était quoi ce truc à côté de ton pseudo, Ludoc? Tu utilises le gyroscope ou quoi? Je joue au gyroscope. Je joue avec le gyroscope. J'imagine vraiment une voix, mais tellement niaise qui dit ça. Je joue avec le gyroscope. Effectivement, Crystal, tu es arrivée au moment où j'ai absolument foiré ma course, tout à fait. Mais je te promets que je suis pas aussi nulle que ça, je suis quand même deuxième au niveau des points. Bon, ok, j'ai une course d'avance. Mais quand même. Il reste 5 courses, celle-ci et 4 autres. Au final, ça va. On a un peu moins de 20 minutes. Et non, moi, il m'en reste 6. Ah oui! Effectivement, c'est moi qui vais avoir une course de moins de vous. Sur la fin. Ouais. Ah, c'est celle-ci de map où Ponce il fait des trucs trop chelous et je comprends jamais par où il passe. Il passe
passe là à gauche, je crois. Ah ouais ! Putain, c'est grave. C'est grave au petit. Putain, je fais trop de la merde. Je pensais pas que tu gagnerais autant de temps en passant par là. Attends, tu veux bien me remontrer ? Attends, si j'arrive à... Ah bah non, de toute façon, je vais rien voir, super. Ah, je déteste ça. Merde. Je fais n'importe quoi. C'est bon, tu me vois là ? Ouais, plus ou moins, merci. Un peu loin, mais ouais. Regarde. Là, tu passes là. Et en gros, là, t'arrives et hop. Ah ouais, putain. Ah ouais, mais d'accord, ok. En gros, il faut être prêt à ressortir de l'eau, quoi. Non ! La putain de banane. Mais comme tu ressors en sautant, et ben ça te fait sauter au-dessus de l'herbe, donc ouais, tu perds pas de temps. Tu perds pas trop de temps, ouais. Il faut juste réatterrir pas trop mal. C'est après le deuxième pont, ok. Mais mon dieu, mais au secours. Ah, non, c'est même pas tu perds pas de temps, tu gagnes du temps. Ah ouais, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout par contre pour ressortir, parce que si tu ressors pas droit, t'es foutu. Comme moi je viens de faire là, de la merde. Parce que je suis passé loin devant Lana. Désolé Ludoc. Je viens de lui foutre un klaxon de ma gueule. Bon allez, troisième place. Dur dur là. Oui, non, mais t'inquiète, Crystal, des fois, j'ai du mal à garder mes objets, c'est juste parce que j'appuie trop vite sur le bouton. Faut pas m'en vouloir, des fois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Oh, je suis désolée, Ludo, qui a fini 7ème à cause de moi. Non, mon pauvre. À cause du klaxon. En fait, je dois t'avouer que j'ai pas vu que c'était toi jusqu'au moment où je l'ai fait, donc... Vilaine, non mais oh! C'est vrai. C'est ban. C'est ban, allez, direct. C'est ban def. Allez. Ça, t'as de la chance que les modos, soit ils parlent pas français, soit ils sont occupés à faire les courses aussi. Hein. Hey Halloween! Tu peux me miauler dans les oreilles, effectivement, mais je te demande de ne pas me tirer les cheveux déjà pour commencer, ça fait mal! Et ensuite, si tu pouvais éviter de te mettre devant moi, j'apprécierais beaucoup. Je vous demande de vous arrêter. Je connais pas du tout cette note. Tiens là, mon cœur. Non ! Oh putain ! Alors, allô. Je t'ai vu passer devant moi. J'ai pas fait exprès, c'est qu'en fait, j'ai un gros chat noir et blanc à poils longs devant mon écran. C'est un léger petit problème, du coup. Le pauvre, il se barre, du coup, parce que je crois qu'il a compris que c'était pas le moment. Oh. Ah là, tu rejettes ton amour, super. Bah ouais, c'est ça, mais je suis une horrible mère, non. Mon dieu. Je te sens mal. Virox, je te déteste. Ah merde, je suis désolée, c'était pas pour toi. C'était censé être pour Virox, mais tu m'as doublé. J'essaie de balancer des bananes là, j'entends le... Pas les le bananes. Clic, 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 ouais. C'est moi. Les boules de feu. Oh non. Ouf. Oh, elle était belle celle-là. Oh la... Les boules, putain. De feu. Bah non, du coup. Non, c'était la carapace verte. Je l'ai lancé random. Du coup, ce n'est pas random. Désolée encore une fois, Ludoc, mais je voulais garder ma troisième place. Je suis horrible avec toi ce soir, je suis vraiment désolée. Allez, karma, bim la rouge. Non, ah bah ça c'était bien joué, bravo. Avec tout ce que tu me balances, tu vas réussir à me doubler un jour. Je sais pas. Oh là là, mais je comprends pas pourquoi je me prends les coquilles alors que j'en ai une au cul. C'est chiant.
dégueulasse cette course. Dégueulasse. Bien joué, Ludoc, tu t'es bien vengé, t'as eu bien raison. J'ai perdu mon chat, du coup il s'est vraiment barré en fait. Ok, ok, ok. Okay. C'était marrant. Encore ? La route qui ressemble à Yoshi. J'allais vous dire, vous savez qu'il y a une anecdote. Mais donc tu vois là sur l'image, il y a la carte en forme de Yoshi du coup. Ouais, moi je verrais même pas une vache dans un couloir. Hein. Effectivement, la minimap ressemble à un Yoshi. Que de révélations ce soir, c'est coup, incroyable. J'ai regardé la minimap et j'ai pas pris de Et du coup, moi je suis tombée, donc c'est parfait. Franchement, on adore. Merci, hein. Yoshi. Le début de course, magnifique. Cristal, tu veux pas jouer avec nous? Du coup? Bon, il reste pas beaucoup de courses, mais... Oh non! Ah mince, je croyais que t'en avais une de Switch. J'avais oublié ce petit détail qu'effectivement tu as besoin de la console si tu veux jouer à Mario Kart. Ça fait un peu... Tiens, ça dit que tu viennes avec ta mère au repas dimanche. Ma mère elle est morte. Non, ça c'est horrible là par contre. Là ça va un peu loin quand même. Oui, je pense qu'on peut trouver d'autres exemples. Oui, effectivement. Je suis assez d'accord. Hey Halloween, viens. De toute façon, si je perds cette course, c'est pas très grave. Au point où j'en suis. Oh, ce petit chat. Alors, ok, vas-y, passe-moi dessus pour aller sur le bureau. On adore. Franchement, on kiffe. Ça arrive, mon cœur. Oui, mon bébé. Oui, attends, je me prends les murs à cause de toi. Il reste un petit tour. Tiens. Oui, je sais, j'attends. En plus, du coup. Aïe. Arrête. J'adore ce surnom, je crois qu'on va l'adopter. De quoi? On va adopter le surnom que Crystal te donne. Ah, je peux pas lire le chat, je vois même pas le circuit en fait. Je lirai après, une fois que j'aurai validé ma 8ème place. C'est la pire course que j'ai fait depuis le tout début. C'est un enfer. Ah bah, du coup, c'est une 9ème place. C'est même pas, tu viens me chercher en voiture. Parce que ça voudrait dire que la personne qui te le propose ne profite même pas de ta voiture. C'est, viens, on s'amuse à faire des courses de voiture. Mais par contre, j'ai pas de voiture. Allez, putain. Ah, Micheline, c'est mon surnom, c'est ça? C'est ça. Fais câlin. Fais câlin, mon cœur. C'est bien, mon bébé. Tu fais des ronrons dans le micro? Non, j'ai entendu. C'est la ronron thérapie d'Halloween. Ouais, mais tout à l'heure j'ai eu trop peur. J'avais la fenêtre ouverte, j'ai mis mon pendoir à linge devant et je suis allé ouvrir à ma mère en bas. Je me suis dit, Akira ne va quand même pas passer par la fenêtre, surtout qu'il y a le pendoir à linge devant, elle peut pas. Ouais. jamais sous-estimer. Voilà. Ouais, à quel moment tu te dis que c'était une bonne idée? Du coup, je remonte avec ma mère, je vois pas le chat, normal, il y a des gens dans l'appart. Elle est cachée sous le lit. Effectivement.
Donc on mange tranquille et tout, et ensuite on va faire quelques courses. Là je reviens tout seul, je fais mes trucs, puis d'un coup j'appelle Akira, rien du tout. Ça sympa. Mais genre ça devait être 4 heures après quoi. Ah ouais, oui. Je la cherche partout, je regarde sous le lit, il n'y avait pas de chat sous le lit. Oh le flip. Elle peut très bien ne pas vouloir me répondre et être quand même sous le lit. Oui oui bien sûr, mais là elle n'y était pas. Mais là elle n'y était pas. Je l'appelle, je regarde partout dans la maison. Il n'y avait pas de chat. J'étais déjà limite en train de composer le numéro de ma mère en pleurant. Je lui dire le chat il est plus dans la maison. Tu m'étonnes. Et là je regarde derrière le rideau, derrière la cuisine. Et elle était là. Ah, purée. Mais le pire c'est que en plus, donc le rideau il touche le sol. Donc elle était assise sur le rideau. Ah. Et moi je tire le rideau comme un taré. Parce que bah j'étais un peu en panique. Elle a volé avec le rideau. Oh non, pauvre chat. Les objets. Ah. Quelle idée elle a eu d'aller se foutre là-bas. Hein. Oh le karma, putain, je me suis fait bouffer fait, par la flamme. Tu t'es fait manger par la plante, je t'ai vu. Oui, je me suis fait bouffer par la flamme. Oh là là. J'en ai marre en fait dans ce jeu. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose de méchant, et ben j'ai le karma. Tout le temps. Hé mon chaton. Oui. Tu sais très bien que c'est pas moi qui gère la bouffe le soir, chat. Donc là, je peux rien faire pour toi. Tu sais trop bien que ça se passe en bas si tu veux manger. Eh ben, madame la comtesse a 2 étages. Bah ouais, on a 2 étages dans l'appart. qui est très bien d'ailleurs, parce que comme on est. Comme ça fait un an qu'on est confiné, bah ça donne un peu une impression de. De changement. Bah d'avoir un truc un peu plus grand quoi. Bah tu m'étonnes. Ouais, t'es pas pris au piège d'un 30 mètres carrés quoi. Bah c'est ça. Oui mon cœur, je sais c'est pas drôle. Par oui, contre, c'est le château d'Hyrule. Je ne veux pas qu'à l'étage ce soit ma chambre et qu'il n'y ait que ma chambre à l'étage. Bah, en fait, du coup, on a 2 chambres dans l'appart. Et en bas, on est censé. Donc, c'est à l'étage. Et en bas, on est censé avoir une cuisine-salon. Sauf que c'est assez petit, en fait. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que mon chéri, il a mis son ordi et son bureau dans la cuisine en bas. On a mis un petit canapé aussi, comme ça, c'est cool quand on veut regarder. Des trucs ensemble et tout. Et en haut, ce qu'on a fait, la deuxième chambre, c'est qu'à la base, on l'a transformé en vrai salon, avec un canapé, lit et tout. Cool. Ah et oui. Puis, ben. Avec la pandémie, du coup, je l'ai transformé en bureau pour moi. Oui. Et tiens, on n'a pas fait le circuit Animal Crossing du tout ce soir encore. Non. Ouais, il a même pas été proposé, non. Carrément. Oh, c'était beau ça. Ouais, merci. Hein. Ah, merci. Hein. Putain, je me suis tiré une balle. Oh là là, mais oh, mais calmez-vous les gens, oh. C'est qui avec la couronne? C'est Virox qui a la couronne cristal. AK, maître de l'air frais, roi du trône RGB. Tout à fait. L'explication étant dans la VOD de mardi. Ah. Mais non, c'est pas toujours moi qui gagne. Tout à l'heure, Lana, elle a gagné une course. On a gagné 2. Une course. On a gagné 2.
Ah ouais, enfin, déconne pas. Deux fois, une fois proche, deux fois pas, deux fois. Ah, oula, oula, oula. Oh là là, mais vas-y. Saoule. Sauf tu peux gagner une course, mais pas 15. Oh, mais de toute façon, moi j'ai un petit level. Hein, donc... Voilà, tu peux gagner deux courses, mais pas 15. C'est oh, réservé non, à toi, ça. C'est rouge. C'est deg. Tu peux gagner 3 courses, pas 15. Oh la rouge, oh la rouge. Oh, non putain, je me fais... Oh. Ah, je me suis fait trop spam. Ah bah il est temps que ça se termine. Hein. Y'a personne qui a la ref. De quoi? La ref de quoi? Non, j'ai pas la ref là pour le coup. Toi, tu peux gagner une course, peut-être mais pas 15. Je... Ah, on peut tromper une personne, une fois, mais pas 1000 fois. Non. Ah, pardon, on n'a pas les mêmes références. C'est les tuches. J'ai fini moi, du coup je peux même pas vous voir. Est-ce que je peux vous voir en spectateur peut-être? Ah oui non, désolé, j'ai pas la ref tuche, pardon. Ah non, du tout. Par contre, Onzal avait la ref. Ah. Dans le chat, tu as des supporters Virux dans le chat. Merci. En gros, c'est le mec, il est méga riche. Du coup, il a 15 cartes bancaires. Et il a perdu le truc avec toutes ses cartes. Et du coup, il fait « Bon, tu peux perdre une carte, mais pas 15 !» Après, il réfléchit, il fait « Tu peux perdre deux cartes, mais pas 15 !» Et il fait ça jusqu'à 15. D'accord. Je sais pas pourquoi je suis... Ah bah moi j'ai 0 points du coup en fait, ça, c'est comme si ça avait recommencé ah, ça pour moi en fait. Ouais. Oh ah bah du coup mince, c'est bête ça. Bah c'est pas grave, du coup j'ai pas vu combien de points j'ai fait à la fin, mais c'est pas très grave. Et non, dans Mario Kart, je suis nul. Mais t'es pas nul du tout, tu vois. Dans Among Us, je suis nul. Ah, Among Us. Et dans Rust, j'ai jamais joué à Rust. Je pense que tu confonds avec Sensu aussi, du coup, Crystal, parce que Rust, j'ai joué avec Sensu. Ça me fait un peu de peine, hein, je dois dire. D'ailleurs, Among Us, ils ont pas sorti leur map. Ouais, puis j'avoue, je suis pas du tout motivé pour jouer, quoi. Ouais, non, moi, je suis plus du tout motivé. Regardez, tu vois, ça me dérange pas. Il y a encore des gens qui jouent? Ouais, parfois Antoine Daniel et tout, ils jouent le lundi soir, mais ah là, ouais. En ce moment, c'est plutôt Garty Stone. Ouais, bah j'avoue, comme c'est les moments où je stream, c'est pas du tout des trucs que ah je ouais. veux regarder en replay après aussi. Garty Stone, ça a l'air marrant. Beaucoup ça a l'air tellement drôle, faudrait vraiment qu'on essaye. Bah oui. Ouais, faudrait Parce qu'on que, essaye. Du coup, ça peut se jouer à pas beaucoup, tu vois, ça. C'est vrai. Bah oui. Ah, en plus, j'ai drôle. Ma tablette graphique. Et puis ouais, y a pas besoin de skill quoi, c'est vraiment. Oui bah c'est plus t'es nul, plus c'est drôle quoi. Ouais voilà, en plus c'est ça, ouais, c'est moins t'en as et plus c'est drôle. Parce que j'avais regardé un live et tout, c'était où il y avait Mintos, oh, mais c'était mais énorme. C'était ah oui non mais je l'ai vu ça. Mais j'en pleurais de rire quoi. Bah là, je fais partie du coup d'un, j'ai rejoint un Discord pour les petits streamers et tout, ça nous permet de voir. D'organiser des trucs en multi et tout. Et ils font une soirée au manga ce lundi, mais j'ai dit ah non, ça me tente pas du tout. Mais je me disais, tu pourrais peut-être participer quand même, même si t'es nul, tu vois. Enfin, t'es nul, non, enfin, même si t'es. Enfin, si tout le monde est nul, mais t'en as pas, faut pas commencer. Parce que du coup, tu peux t'inscrire en tant que streamer. Ah ouais. Tu vois. Même si tu fais pas des scores de fou, tu vois, c'est bien. Mais... Au moins, c'est surtout que ça fait marrer de voir des gens rager au tournoi de Ponce. Ouais, c'est cool. C'est vrai. Bah en fait, moi, le truc qui me saoule un peu le tournoi de Ponce, c'est l'horaire, quoi. Oui, bah pour toi, ouais. Ça fait 14h pour moi, c'est un peu chiant. Non. Le dimanche, c'est le jour de ménage, quoi. Enfin, tu vois. Oh surtout que, je sais pas pourquoi, mais je me la suis pas prise, là. Ouais, je pense que t'avais encore une frame d'invincibilité, du coup. Peut-être bien, ouais. Oh, j'ai fait de la merde. Écoutez. Oui, bah ouais, c'est clair que pour toi, l'horaire, ouais. Ouais, 14h, ça fait chier, quoi. Mais Bah, c'est l'heure à laquelle on se réveille, quoi, c'est chiant. Bah, c'est un peu simple. Quoi? Vous avez vu ce qui était proposé, là? Non, c'était Big Blue. Oh non, tristesse. Alors, vous voulez continuer parce que du coup, il y a un deuxième code qui est à partir de 22h si vous voulez. C'est un petit tournoi, enfin, tournoi avec 12 courses.
Ouais, non, moi je vais y aller parce que faut encore que je révise, j'ai bientôt des examens. Ah non! Virex? Moi j'en ai pas. Tu veux continuer? Oui, oui. Ok, alors allez, le code. C'est très sympa. Ludoc, le code aussi, si tu veux nous rejoindre, c'est le deuxième, c'est le code fin de soirée qui est dans le chat. C'était cool, Lana, merci d'être passée. Oui, c'était et super puis, sympa. Et puis, tu vas faire le tournoi de ponce demain? Je sais pas, je verrai où j'en suis dans mes révisions, mais je pense pas. Je pense que je vais juste regarder son stream et voilà. Ok, ça marche. Bah, tu nous dis de toute façon. Ouais. Ça marche. Ça roule. Bon, la bonne soirée. Bon courage. À bientôt. Bye bye. Ciao. Hop, du coup, vous êtes prêts pour le tournoi fin de soirée? Ça va, c'est dans la room. Ah, t'es déjà là? Ok. T'es là, Ludoc? Pour l'instant, on le voit pas. Ah, si, c'est bon, il est là. Yes! Nice! Perfect. Ouais, c'est un tournoi de 12 courses. Du coup, j'ai mis le code dans la commande, vu que c'est toujours le même. Ouais, ouais. C'est pas mal comme format. Faire ouais. Un tournoi sur 1h30, et puis après, pour ceux qui ont envie de continuer, un plus petit tournoi. Ouais, ça fait pas trop long pour ceux qui veulent pas trop, et puis... Exactement. C'est très bien. J'avoue qu'un long tournoi de 32 courses... Bah, ouais, ça fait beaucoup, et puis... Ouais. Ouais, je suis d'accord. Oh là là. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Bah j'en sais rien, je crois que j'ai découvert un bug. Ah mais t'as rien fait de spécial sur mon écran, par contre je suis juste derrière toi, j'ai rien vu hein. Ah bah moi j'ai eu un putain de boost. Ouais pour l'instant on est que nous trois. Ah bon? Ok. Ouais ouais. Ouais, on est que trois pour l'instant, Ludoc. Après, c'est open, hein. Si les gens veulent le rejoindre, ils peuvent. Mais c'est vrai que ça serait cool d'avoir un peu plus de monde, des fois. Histoire qu'il y ait moins de bots. Hi, Halloween, I can hear you. Je t'entends, chaton. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, hey, tu peux arrêter de me gueuler dessus, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, viens. Oui? Oui, petit chat, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, mais là, tu m'emmerdes. Bah, en fait, il miaule, mais je sais pas, je peux pas trop regarder ce qui se passe, quoi. Allez, viens là. Oui, viens. Putain, on dirait que je suis bourrée dans mon jeu, parce que du coup, j'arrive pas du tout à suivre la course. Hop, ah. C'est bon? Oui, tu peux t'installer, s'il te plaît. Chat, installe-toi, parce que là, on fait de la merde. Oui, chat, tu attends, s'il te plaît. J'ai compris. Je sais pas pourquoi tu m'embêtes. Ah! J'ai la main qui gratte. Ah, c'est... Bah, tout à l'heure, j'avais le nez qui grattait parce qu'Halloween était à côté de moi. C'est un enfer. Ouais, mais le nez qui gratte, à la limite, tu peux le frotter avec la manette ou avec le bras. Ouh, mais là, ouais. Du coup, la main qui gratte... La main qui gratte, c'est dur. Merde. Oh là là, la honte. Non, je pense que... Effectivement, Crystal, je pense que oui, je suis pas mauvaise, mais... Enfin, il y a des courses où je pourrais clairement m'améliorer. Je pense qu'il faut vraiment que j'apprenne
Oui, t'as rien dit, effectivement, je viens de foirer ma course royalement, mais... Ah bah tiens. Mauvaise. C'est la faute du chat. Tout à fait, c'est la faute de Monsieur Halloween. Hein, c'est de ta faute. J'ai reçu... Petit bébé. Dans ma boîte aux lettres, un petit bout de papier de la taille d'une carte de visite. Ouais. Professeur Haruna, 100% efficacité dès la première visite, quels que soient vos problèmes délicats, même les cas désespérés, prenez contact avec. Mais... Amour mais quel durable, genre de chance au jeu, travail, examen, problèmes familiaux, attraction de la clientèle pour vendeur, désenvoûtement, protection contre les ennemis, guérit l'impuissance sexuelle, timidité, angoisse, travail aussi par correspondance possible, discrétion assurée. Ah oui, donc tout en fait. N'importe quel tout. Problème, tu vas chez cette personne et c'est fini, tu revis quoi. C'est ça. Même les cas désespérés. Même les cas désespérés. Imagine un plombier qui fait ça. Je répare vos problèmes de plomberie, même les cas désespérés. Oh, me parle pas de problème de plomberie, hein. Foutu eau chaude que j'ai toujours pas. Ah ben, si tu veux, Crystal, je te donne son numéro. Hein. Vas-y. Comme il fait par correspondance. Je suis un boulet. C'est vrai que ça vend du rêve cette carte de visite quand même. C'est grave. Putain. Qu'est-ce qu'il y a, Kiara ? Vas-y, mets-toi assise là. Hop. C'est 20€ la consultation, si ça vous intéresse. Ça sent le piège à thunes à plein nez quand même, hein, cette histoire. Mais ouais, mais s'il le fait, c'est que ça marche. Ouais, peut-être. Donc c'est qu'il y a vraiment des gens qui appellent. Ouais, non, mais oui, je pense, effectivement. Bah, ça donne envie quand tu dis ça comme ça, bon... Mais c'est ça. Pas gentil les coquilles rouges en arrière, je suis désolée. Pour vendeur, quoi. Ouais. Je comprends l'amour... Le désenvoûtement, la puissance sexuelle, je comprends. Mais l'attraction de la clientèle. En fait, je devrais peut-être appeler pour voir s'ils ont des c'est conseils ça. Pour le stream, tu sais. Bonjour, je suis streameuse, j'ai pas beaucoup de viewers. Vous pouvez faire quelque chose. J'ai besoin d'aide. On a égalité Ludoc, 20 chacun. Et ouais, moi aussi j'aime pas l'éclair, mais j'ai l'impression que moi j'en ai jamais à envoyer aux autres. Et pareil, j'en ai jamais eu. Tout le temps. Mais par contre, effectivement, j'en prends tout le temps. Alors après, est-ce que c'est parce que on est souvent devant et que... Mais même quand j'étais nul au tout début... Mais c'est ça, moi aussi. J'en ai jamais eu. Bah après, faut dire que j'étais nul. Mais autant nul que les autres, c'est-à-dire que... Bah le premier, il était pas loin devant moi, quoi, donc... Ouais. J'avais des champignons. Akira, je te vois faire des bêtises. C'est ça, que c'est cette voix-là, ce ton-là que j'ai eu en tête quand tu as posté la photo le jour. Ça m'a fait tellement rire. Akira! Mais le pire, c'est qu'elle me regarde en faisant sa connerie.
Ah, je crois qu'il y a la bouffe qui est... Putain, quel enfer, il y a la bouffe qui est sortie, Halloween vient de se barrer en courant. Non, Ludox, tu n'auras pas ma première place. Non, vas-y. Oublie pas de le remettre après. Voilà. C'est bon, tu as l'air calme et composé. Oui. C'est juste pour déchiqueter du carton, quoi. Ça, c'est un truc que Halloween il adore. Il bouffe le carton. C'est. Ouais, mais... Je comprends pas. Mais pareil. Et même le papier, elle le bouffe. Enfin, c'est même pas elle le bouffe, quoi. Elle le tire avec sa bouche. Et elle leur crache, quoi. C'est juste le plaisir de déchiqueter. T'as des plantes chez toi? Genre, non. Elle essaye pas de les manger? Non, j'ai pas de plantes. Ouais. Parce que Halloween et Biscuit, là, ils sont dans leur période, j'ai envie de me purger. Et donc, du coup, ils essaient de bouffer les plantes vertes. Sauf que le problème, c'est que s'ils font ça, après, ben... Enfin, surtout Halloween, il est malade, quoi. Donc, ouais. C'est chiant. Tout à l'heure au magasin, j'ai vu de l'herbe à chat, j'hésitais en. Non, elle va devenir folle avec l'herbe à chat. T'as déjà essayé? Lui en faire sniffer? Non, jamais. Et bah, on dirait qu'ils sont. C'est des fous, on dirait qu'ils sont. Sous acide, quoi. Ah ouais. Genre, ça se frotte de partout. Halloween, il pleure un peu, tu vois, et genre, c'est la folie, ils deviennent fous. Non. Mais du coup, je lui ai acheté un grillage et je vais lui fabriquer une espèce de petite cage que je vais fixer sur mon rebord de fenêtre. Comme ça, elle pourra aller faire ce qu'elle veut là-dedans sans risque qu'elle tombe. Ah bah oui, c'est une super idée, ça. C'est pas la quantité des viewers qui compte, c'est la qualité. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que j'ai de la chance avec tous les viewers qui viennent, ils sont tous gentils. Et non, effectivement, les plantes vertes, je n'ai plante bleue ou mauve. Si, j'ai une plante, elle a des... J'en avais une, je n'ai plus, elle est morte, comme toutes les autres plantes que j'ai jamais eues. Presque. Elle avait des fleurs, des feuilles violettes. Moi, c'est des plantes dessinées sur les murs que j'ai, donc... Oh, pas de risque, du coup. Non, mais moi, voilà. il me reste deux. C'est les survivors de... Sympa, le ratage du départ, tous les deux, là. Ouais. Oh là là... Putain, mais tourne. Ouais, une fois, je me suis dit, putain, mes murs, ils sont vachement blancs et vides. Et tiens, je mettrais bien des plantes chez moi. Du coup, bah, t'as mis les stickers. Et j'ai acheté une housse de canapé avec des plantes dessinées dessus que j'ai fixées au mur. Ok, normal. Mais ça rend super bien. Bah ouais, du coup, système D, parfait. C'est ça. Bah, en gros, c'est un espèce de plaid géant, quoi. Ouais, bah oui, du coup. Ça fait comme en Russie ou les trucs comme ça, vous accrochez des tapis au mur, sauf que bah c'est classe, ça fait un paysage asiatique. Bah ouais, c'est parfait. J'ai plein de trucs à accrocher au mur, mais comme mon goût, ça me fait un peu chier. Ah oui. Bah là, à Noël, entre mon frère, le meilleur pote de mon chéri et tout, on a eu au moins 6 displays différents. Donc ah faudrait, ouais, faudrait qu'on les accroche, mais... J'ai plein de place au-dessus de mon bureau, du coup. Faudrait vraiment que je le fasse. Ouais. J'en ai eu un Zelda trop beau, je vous enverrai des photos de façon. Après, la plupart des autres... Ça a l'air pas mal, hein. Ouais, après, je sais pas, j'ai entendu plein de trucs pas bien sur Displate, comme quoi les artistes n'étaient pas respectés, c'était ouais, des images... Non,
Mais bon, là, c'est des cadeaux qu'on m'a fait, donc après, ouais. Je veux pas dire non, quoi. J'en profite. Et ouais, non, effectivement, Crystal, j'ai pas du tout la main verte. Mais pas du tout. Et ce qui est très marrant, parce que mon père a quand même une entreprise de paysagisme, en fait. C'est quand même très drôle. Mais ouais, non, tout ce qui est plante, ça ne dure jamais très longtemps chez moi. Et pourtant, tous mes grands-parents jardinent, ma mère elle kiffe. Putain, j'ai fini 7e. La route. C'était horrible cette course. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une guirlande de Noël. Ouais. Derrière mon drap, et ça fait pas mal. Animal Crossing. Ah oui, du coup. Ouais, ouais, j'étais genre 7 ou 8ème Ludoc, là, à la fin. N'importe quoi. Ouais, du coup, j'ai hésité à récupérer la guirlande lumineuse de mon sapin de Noël, que j'ai enlevé genre il y a 2 semaines, même pas. pour bah, faire un peu plus de lumière autour de mon bureau, mais bon, je sais pas trop. Faudrait que je regarde un peu. Ça y est, les gens ils commencent à reparler de quand est-ce qu'on pourrait aller au bureau et tout. J'ai tellement pas envie. Ça fait trop chier. C'est toujours Virox qui a la couronne cristal. Il est trop fort. C'est vrai que pour l'instant, là, je fais un sans faute. Hein. Et Ludoc, tu te débrouilles vraiment pas mal, hein, parce que t'es tout le temps là, en fait. Mais je pense que même en jouant qu'une fois par semaine, comme je le fais en ce moment, je m'améliore quand même, en fait. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah tu commences déjà à prendre les maps. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a tellement des maps que c'est dur de souvenir des noms et des configurations et des shortcuts. Genre là, sur celle-ci, je sais pas s'il y a un cut. Hein. Non. Aussi, si, il y en a. Après la plage. Ouais. Quand tu retournes à gauche. Après la plage, t'as un pont, puis un saut. Ouais. Bah là, il y a un cut dans l'herbe. On a vers la droite, là où il y a les rochers. Ah oui, ok, ouais, d'accord. Ah ouais, mais sans champi, c'est mort. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et pareil, au début, là, dans l'herbe, à droite, là, tu peux cutter. Ouais. T'es allé. Ah, ok, j'ai compris. C'était même pas pour que tu te la prennes, toi, c'était pour que je l'évite. Oh putain, mais l'erreur! Ah bah, c'est bon. Bah, Crystal, je pense que tu peux challenger Virox. Le jour où tu peux jouer, c'est tu nous ça, dis. C'est ce que j'allais dire. Et challenge accepted. Voilà. Oh non, Ludoc, bah je me suis pris un bonhomme de neige, moi. En même temps, cette couronne, on dirait qu'elle a été faite pour ma tête. Je trouve qu'elle me va très bien quand je l'ai aussi, c'est très rare, mais... Moins qu'à moi, quoi.
Ça marche, je relèverai le défi. Oh super, mon aléatoire a choisi ma pire map. Super, j'adore. Non, c'est pas ma pire map. Ma pire map, c'est celle de la musique. Quoi? Ah putain! J'aurais essayé. Mais ça n'a pas marché. Mais what? Quoi? Bah, je sais pas, l'autre il m'a doublé alors que j'étais en l'air. Petit con, bah, en plus il m'a fait rater mon dérapage. Deux fois que je dodge la bleue sur cette map. Bien joué. Mais il reste un tour. Ouf. Bien joué. Bien joué, Ludoc. Oh là là. Oh là Mario là. 64, il a été réédité sur Switch? Je sais pas. J'en sais rien. Je sais plus s'il était dans le... Dans le bundle? Dans Mario, ouais. Pas sûr. Je l'ai, faudrait que je regarde. Je te dis. Parce que je sais qu'il y avait les un Mario Super Mario Attends. Galaxy. Il y avait ah merde, bah c'est marqué dessus. C'est juste marqué Super Mario 3D All Stars. Faudrait que je regarde dans le truc, mais j'ai pas la cartouche sur moi là. Donc je ne peux pas te dire. Alors. Ouais, si, il y était. Je les aime, mais je les ai jamais fait. J'avoue que Mario, ça a jamais été mon truc. Enfin, j'ai jamais vraiment accroché, donc. Enfin, j'ai jamais vraiment essayé non plus, en fait. Mario Kart, je l'ai poncé sur E. Mario Kart, qu'est-ce que je dis ? Mario 64, je l'ai poncé sur la DS. Ah ouais ? Ouais. La DS de Batter. Moi j'ai quoi? J'ai Mario Odyssey sur la Switch, mais j'ai peut-être joué 2 heures à tout casser, mais j'ai trouvé ça hyper dur. Ah ouais? Mais après c'est parce que c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur la Switch en fait. Ah oui. Et forcément. Comme j'ai pas vraiment eu, bon avant ça j'avais juste la Xbox 360 et je jouais juste à Dragon Age en fait, c'est tout ce que je faisais. Tiens d'ailleurs ouais. À partir de demain Tonton il teste Dragon Age Inquisition, qui est le dernier. C'est pas le mieux, mais c'est le plus récent. Vous avez tous pris le mur en même temps. Ouais. Ça vaut le coup de couper dans l'herbe si t'as pas de... Comme tu viens de faire, si t'as pas de champi ou... Enfin, de trucs pour accélérer. Je crois. Je suis pas sûr, mais... Bon, en tout cas, tu perds pas un temps monstre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut sauter en même temps. Ah, il faut sauter, ok. Ça non, va mais... pas te donner un boost, mais oui, ça va ça. Pas te faire rouler dans l'air. Ok. Mais genre en gros, sauter. Si t'arrives à sauter sur le
sur l'espèce de crête. Ouais. Ça va te faire. Bon, en fait, tu vas sauter au-dessus de l'herbe. Ok. C'est comme dans Excitebike. Ouais. Les flaques de boue. Ouais. Tu peux sauter par au-dessus. Ah bon? Ouais. Ah, je sais pas. En utilisant la touche là pour le dérapage là quand tu sautes. Ouais. Attends, vas-y, fais voir. Ah ok, ouais, donc en fait tu sautes, ça te fait quand même pas mal avancer sur l'herbe et après tu refais et tu t'en sors vite quoi. C'est ça. Ok. Et pareil donc sur Excitebike, si tu sautes, bah t'arrives à sauter au-dessus de la flaque. Ah ouais, cool, ok. Ludoc dit qu'il a Mario 64 sur la Switch. Donc ça doit exister. Ouais, non mais il est dans le bundle du coup. Ah oui, du coup il y a. Je vais aller regarder. J'ai mon chéri qui m'a amoureusement amené un yaourt comme d'habitude. Il est trop chou. En fait, le soir, comme je mange avant de streamer, en général, c'est un peu tôt pour lui. Et du coup, on mange pas forcément ensemble, même si je mange en bas à côté de lui et tout. Et donc, quand il se fait à dîner et qu'il a pas ce qu'il faut, en général il va vite fait au supermarché du coin et en fait il m'achète des yaourts qui me remontent. À cette heure là ? Ouais, bah c'est ouvert 24h sur 24. Vive l'Angleterre. Oh putain, la classe. Et jusqu'à 23h le dimanche, je crois. Ça c'est cool là, les trucs ouverts 24h sur 24. Ouais, ça c'est cool. Puis on en a plein autour de chez nous quoi. Il y en a qui sont pas ouverts aussi longtemps, mais. Ouais. Parce que je veux pas dire, mais dans mon entourage, il y en a pas mal qui vivent la nuit, donc. Oui, c'est vrai qu'effectivement. Ouais, bah nous, on a aucun problème là-dessus. Effectivement, c'est quand même bien pratique. Ouais, 22h chez toi, Ludoc. Ouais, bah ouais. Oui, c'est vrai que vous avez le couvre-feu. C'est 18h. Hein. Oui, c'est vrai. Mais les magasins ferment à 18h, du coup, aussi. Les supermarchés et tout. Ah ouais, ouais. Ah oui, donc si t'as un boulot, genre si tu t'es infirmier ou médecin ou quoi, et que tu bosses des horaires de fou, tu peux pas faire tes courses le soir, en fait. Bah, en soit, même simplement, si tu bosses, tu peux pas faire tes courses le soir. Oui, si tu bosses, de toute façon, tu finis à 18h, mais c'est horrible. Du coup, les gens vont être en confinement, en fait, c'est trop débile. Ah oui, et donc du coup, c'est bien, parce que ça fait pas du tout des afflux de pipeaux, de gens. C'est bien. C'est ça. Ma mère, elle m'a dit... Il y a un carrefour dans une ville à côté de chez moi. Il y avait la queue jusque sur l'autoroute. Mais putain, les gens sont fous. Enfin, c'est pas les gens qui sont fous, c'est juste que c'est. Bah oui, bah non, là, ils ont vraiment pas le choix d'aller en course. Hein. Bah oui, oui. Faut bien bouffer, quoi. Sauf que. Avec le rond-point, la sortie de l'autoroute et tout, il doit bien y avoir 1 km entre. Ah ouais, mais c'est ouf. Ouais, non, mais c'est hallucinant, quoi. Alors nous, autant, du coup on est en confinement, mais par contre tous les magasins, les supermarchés, enfin les magasins de première nécessité, donc c'est-à-dire les supermarchés, tout ça c'est ouvert horaires normaux. Et les restos sont pas ouverts pour s'asseoir, mais ils font tous à emporter et pareil, ils sont ouverts normal quoi. Donc du coup si t'as envie d'un takeaway à 23h tu peux, enfin je veux dire c'est comme d'habitude quoi, ça change rien. Ah non, ça on peut pas non. Mais nous même en un an de confinement là, enfin on était plus trop en confinement cet été mais nous on s'est considéré comme, on n'a pas dû faire une seule fois de livraison à la maison de bouffe parce qu'on pouvait pas sortir tu vois. Tout a toujours été ouvert pour les takeaways. Bah oui. Je me suis jamais fait livrer. Bah en fait, nous, on a la chance d'habiter dans un endroit où il y a quand même pas mal de trucs autour. Et du coup, j'ai encore jamais utilisé Uber Eats depuis qu'on habite ici, quoi. Bah, moi en soi, j'aurais pu. Mais c'est juste que si j'utilise Uber Eats, c'est par flemme, en fait. Oui. Surtout. Bah moi en fait si tu veux ça me fait chier de payer
de payer 3,99 de livraison quand je peux y être en 10 minutes, quoi. Oui. Halloween, ah Halloween, oui, qu'est-ce ah que oui, tu fais, dans qu'est-ce ce que tu là, fais oui, oui, du coup, attendez, non, j'ai un problème, mon chat essaye de bouffer mon yaourt. Mais genre, mais il y a du chocolat dedans, chat, tu peux pas manger ça, arrête. C'est pas bon pour les chats. Oh. Non, 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 allez, va-t'en. Le petit con, pardon, je t'ai coupé, mais il m'a... Il m'a saoulé. Hop. Du coup, si, avez... en fait, j'aurais pu... Enfin, j'ai pas eu le choix de faire des livraisons, si tu le dis dans le sens là. Oui. Dans le sens où, si j'ai la flemme de me faire à manger, je... sortir et aller m'acheter, non, ça je peux pas. Oui, voilà, c'est ça, alors que... Oui, voilà, moi c'est surtout ça. Nous, on a le choix, enfin, on peut y aller en personne. Donc ça, c'est plutôt cool dans un sens de pas avoir à se taper 3,99 de... Ah. Un repas typique d'Angleterre à te proposer. Gelé, non, c'est pas... Non, ça c'est plus américain qu'anglais. Les jellies. Egg muffin. Écoute, je te propose de regarder le premier message que j'ai posté dans le channel food du Discord. Non, attends, c'est pas le... Non, le dernier, les dernières photos. Ça, c'est typique. Ça s'appelle un roast dinner. C'est typique du dimanche. Ici, c'est soit dans les familles, soit c'est... tu manges ça chez toi, soit en fait les gens ils vont au pub et ils mangent ça. Et donc dedans tu as du poulet rôti, des petits légumes, du gravy, un truc qui s'appelle... putain, je ferme mes mots parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est un enfer. Un truc qui s'appelle Yorkshire pudding, en fait c'est un espèce... C'est un peu comme un mix entre une pâte feuilletée et du pain, en fait. Un peu comme la base des vols au vent, tu vois. Voilà, avec du gravy, je l'ai déjà dit. Bah, ce que je ferais, c'est que je te mettrai... Super. Une marche à suivre sur le Discord, si tu veux, Christelle. C'est pas compliqué, hein. Faut juste un peu de temps. Et après, tu le fais à ta sauce, tu mets les légumes que tu veux et tout. Genre le maïs, je suis pas sûre que ça soit dedans à la base, mais c'est parce que j'aime bien faire du maïs. Pour moi, un roast, c'est deux humoristes qui s'insultent. Un quoi? T'as dit quoi? Un roast. C'est quoi? C'est deux humoristes qui s'insultent. Ah, je connaissais même pas cette expression ce soir. Du coup. Bah, c'est surtout aux États-Unis qu'ils font ça. Mais en gros, c'est. Ouais, les humoristes, ils se font une battle sur scène, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et le but, c'est de détruire l'autre humoriste. Ouais, bah, du coup, c'est à peu près ça, hein. Parce que roast, c'est un rôti, quoi. Tu fais un rôti d'humoriste. Oui, 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 du coup, oui. Putain, la meuf qui se prend la banane, quoi. Et le sable, et c'est génial, et le truc... Oh là 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 là, mais tuez-moi. Oui, du coup, tout à l'heure, j'allais te dire, et en plus de ça, en France, les gens, ils commencent à péter les plombs, parce que, bah, en fait, ils vont travailler, rentrent chez eux. Oui, c'est ça, en fait. Et basta, quoi, ils ont plus aucun loisir, plus rien. T'es bon qu'à bosser, quoi, parce qu'en fait, finalement, c'est un confinement, sauf que tu vas bosser, quoi. C'est ça, en gros, c'est juste... bah, tu sers juste à travailler dans ta vie. Ouais, super, quoi. Ouais, c'est encore pire, alors que nous... C'est ça. Au final, on est en confinement, c'est clair pour tout le monde bosse de la maison, et c'est comme ça, quoi. Mais c'est ça. Et les gens réclament un confinement. Hein. Ouais, ouais, j'ai vu les ça gens sur qui Twitter, étaient contre ouais. Le confinement, ils disent... Il y en a ras-le-bol du couvre-feu. Le couvre-feu, c'est pire que le confinement. Confinez-nous une fois pour toutes et puis basta, quoi. Surtout non, mais qu'en oui, plus, c'est on ça. Sait pas quand est-ce qu'il va terminer, le couvre-feu. Ouais, nous, ils annoncent fin du confinement et retour à la vie normale autour du 12 avril. C'est bientôt, hein.
dans un mois. Ouais. Après, est-ce que ça va vraiment se faire comme ça? Mais je crois qu'ils ont vacciné 30% de la population ici. Parce qu'on n'a pas de problème de stock. Vu que on a... Bah, c'est qu'on a les vaccins qui sont fabriqués ici, surtout, et on n'a pas besoin de partager avec toute l'Europe. C'est vrai. Voilà. Il y a un avantage. Un avantage au Brexit. C'est le seul. Super. On adore. Parce qu'en attendant, je paye quand même 50 balles si je veux me faire livrer un hoodie, quoi. Merci, mon gars. Mais c'est surtout que maintenant, t'es dans la merde au niveau des visas, des trucs du genre. Alors, bah, du coup, non. Alors, moi, j'ai de la chance, c'est parce que au moment où le Brexit a été voté, ça faisait déjà plus de 5 ans que j'étais ici. Et donc, ça veut dire que j'ai droit à un statut de résident en Angleterre sans avoir besoin d'un visa spécial ou d'un truc spécial. Si t'étais là entre 4 et 5 ans, ils regardaient au cas par cas. Si t'avais un boulot stable, tout ça. Ouais. Et avant 4 ans, bah, t'avais pas le statut. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé pour ces gens-là. S'ils ont dû... faire un visa ou je sais pas trop tout comment ça s'est passé, mais moi j'ai pas eu de problème, du coup je me suis enregistrée direct sur le site du gouvernement et je suis considérée comme résidente étrangère en Angleterre. Voilà. Mais tu vois, par exemple, mon permis, j'ai le permis anglais parce qu'en fait ici le permis c'est leur pièce d'identité, c'est leur carte d'identité. Ils ont pas de carte d'identité comme nous on a en France, c'est leur permis. Oui, sert de carte d'identité, et ceux qui n'ont pas leur permis ont quand même une carte qui ressemble beaucoup au permis. Ça leur donne juste... Putain, qu'est-ce que je fous ? Pas le droit de conduire, en fait. Mais c'est une carte d'identité, ça s'appelle un permis provisoire, en fait. Et ouais. Voilà. Et en fait, du coup, quand ma carte d'identité française s'est périmée, là, il y a quelques années, ça me saoulait de me trimballer mon permis. Bon, je conduis pas ici, hein, donc forcément, je laissais mon papier rose chez moi. Ouais. Mais du coup, quand je rentrais en France, il fallait que j'aie mon papier rose, ma carte d'identité, mon passeport. Au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé. Et surtout que les Anglais, quand tu te fais carter ici, bah, par exemple, parce qu'avant, je fumais, donc quand j'achetais des clopes et tout, je me faisais tout le temps carter. Et en fait, la grande carte d'identité française, c'est chiant, ça rentre pas dans le portefeuille, c'est hyper relou, quoi. Ouais. Donc du coup, au lieu de renouveler ma carte d'identité et mon permis français, j'ai fait un transfert et j'ai pris un permis anglais. Et du coup, ça fait carte d'identité en même temps. Mais d'accord. Voilà. Et comme ça, je voyais avec mon passeport. T'as pas de carte d'identité française mais... Non. Bah j'en ai une si, qui est périmée. Mais t'as le permis. Ouais, j'ai le permis. Ouais. Et puis de toute façon, t'as le passeport. Et le passeport, voilà. Il sert de carte d'identité en Exactement. France. Donc si je voyage, je prends mon passeport. Et puis sinon... J'ai mon permis et ça suffit de partout en fait finalement. Donc ça c'est pas mal. Mais par contre pour le coup effectivement moi j'ai pas de problème parce que je viens d'un pays de l'Union Européenne. Par contre si avec mon chéri on veut déménager à l'étranger, c'est la merde pour lui. Parce que par contre pour le coup il vient d'un pays qui fait pas partie de l'Union Européenne et là c'est la loose, il faut des visas pour tout. Bah oui. Mais c'est trop chiant. On a beau critiquer l'Europe, c'est quand même sacrément pratique. Hein. Ah bah ça, c'est clair. Mais les gens, ils croyaient pas quand je leur disais que quand on était en train de voter, enfin quand ils étaient en train de voter sur le Brexit, puisque moi j'ai pas eu le droit de voter, hein, bien sûr, qu'ils se rendaient pas compte à quel point ils se tiraient une balle dans le pied et qu'ils allaient voir dans leur vie de tous les jours que ça allait les affecter et j'avais raison. Bah oui. Les prix augmentent, c'est impossible de se faire livrer. Ma super chaise là que je me suis achetée, c'est une Logitech Herman Miller, donc c'est un truc hyper high tech machin et tout, voilà. C'est fabriqué en Allemagne. Et sur le site anglais, on en a eu pendant 2 semaines, et là, ça y est, elles sont plus en stock. J'ai une copine, Mathilde, elle voulait voir pour se l'acheter aussi, parce qu'ils viennent de déménager, voilà. Et la nana, par mail, lui a dit « Bah non, mais il y a un problème sur la supply chain. En gros, on n'est pas sûr que, ici, en Angleterre, elle soit restockée un jour, quoi. Merci le Brexit. » Ouais, trop chiant, quoi.
c'est vraiment chiant cette histoire quand même. Tandis qu'en Europe, bah, ils étaient bien contents que l'Angleterre parte. Ouais, c'est ça, ça. Ils se sont dit, tiens, ça va servir d'exemple à tous les autres qui veulent partir. Voilà, exactement. Pour qu'ils restent. Les cobayes, quoi. C'est ça qu'ils ont pas fait de, dans la dentelle hein, au niveau des. Ah bah ouais, c'est sûr. Trucs, hein. Mais je pense que là en plus on n'a pas encore tout vu. Hein. Parce qu'à mon avis, quand bah oui. Il va s'agir d'acheter des billets d'avion pour rentrer, tout ça, je vais le sentir. Hein. À mon avis, ah les bah, prix. Ça. Ça va flamber, c'est sûr. Et rien que ceux du Nord qui allaient souvent à Londres bah, pour leurs courses et tout. Ouais, bah et le contraire aussi, du coup, parce que je connais vraiment plein de gens qui allaient à Calais, au carrefour de Calais, pour acheter de l'alcool, parce que c'est moins cher. Ah ouais ? Ouais. C'est pour une fois que les gens vont en France pour acheter de l'alcool. Je crois qu'il y a genre une semaine dans l'année où il y a genre des soldes ou un truc comme ça, c'est hyper connu. J'avais des collègues qui faisaient ça, qui partaient en road trip en France à Calais. Super road trip, on adore. Pour aller au grand carrefour de Calais parce que les verres étaient moins chers, les boissons étaient moins chères. Mais c'est ça. Mais le nombre de personnes qui habitent Lille et qui vont se faire une journée shopping à Londres. Bah ouais. Bon là là pour le coup. Côté, quoi. Pour le coup ça vaut plus du tout le coup du coup. J'ai failli prendre le mur. Mais ouais. Mais là du coup aussi, tu sais parce que du coup avec mon chéri on collectionne les sneakers. Et ça, c'est un truc mondial, quoi. Et il y a plein de magasins qui ont arrêté de livrer ici. Donc, on a beaucoup moins d'options qu'on avait il y a quelques mois, quoi. Bah, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est une île, vous, donc... Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Nous, à la limite, on a les camions qui viennent de Pologne et tout, même si... En gros, même si on faisait pas partie de l'Union Européenne... Ça aurait été plus simple niveau transit. Quoi. Ah bah ouais, ouais, c'est sûr. Mais là, en plus, voilà, tout ce qu'on reçoit, si jamais on se fait livrer, il y a des chances qu'on paye les douanes en plus. Bah c'est ça. À l'arrivée, bah comme quand on commandait aux US, hein, au fait, au final, hein, c'est exactement la même chose. Ça a l'air. Parce que quand tu commandes un truc qui vient en camion. Ouais. Et bah soit il se fait contrôler sur la route, soit il se fait pas contrôler. Mais quand tu commandes là, alors que tu vas du Nil, forcément il se fait contrôler au port quoi. Ah donc, bah ça c'est sûr, hein. C'est sûr. Ça c'est sûr, ça a l'air trop trop bon ce que t'as posté sur le Discord, Crystal. C'est quoi avec les patates? Ça a l'air trop bon. Je suis un peu jalouse, je veux bien ta recette du coup. Trop besoin d'inspiration en ce moment. Mais pardon, 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 Ludoc, j'ai pas du tout voulu la lancer, j'ai pas fait exprès. Mais elle me saoule, elle. Ouais, ça, c'était mérité, c'est clair. Elle râle dès que je commande sur Amazon. Et tout à l'heure, elle m'a demandé d'aller lui acheter un verre trempé pour son téléphone. Ouais. Son téléphone, c'est un OnePlus. C'est tombé. En France, dans les magasins, il n'y a aucune protection pour les OnePlus. Je fais, bah,
désolé, va falloir la commander sur Amazon. Bah ouais, là, du coup, t'as pas le choix. Non, mais je saurais même pas dans quel magasin aller chercher ce genre de truc. Bah, pour les autres téléphones, t'en as à peu près partout, mais pour OnePlus, t'es obligé de commander sur Internet, hein, là, t'as pas... Je suis beaucoup trop dépendante de Internet en fait, je pense. Parce que dans ma consommation de tous les jours, je vais tellement jamais en magasin. Jamais, jamais, jamais. Mélange de foie et de gésier de volaille découpé à la main par moi-même et par toi-même. Et ben, GG, Cristal. Moi, le foie, c'est vraiment pas mon truc, à part si c'est du foie gras. Et F-O-I-E, du coup, pour foie et gésier. Ah, c'est fini! C'est fini. Effectivement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air trop bon, mais par contre, c'est vrai que je suis pas fan de viande, donc. Mais après. Surtout de foie. Moi, c'est le foie gras, oui, mais le reste, non, du coup. Ah ouais, toi aussi. Ouais, voilà, Cristal, c'est ça, Cristal, c'est ça. Quoi. C'est si t'as pas un iPhone ou un Samsung. Ah effectivement. Bah t'as rien. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Bah moi je vais m'arrêter là. Ouais. Je sais pas si je m'arrête là. Je sais pas si je me lance dans Ori maintenant. Ça me paraît un peu chaud. C'est tard quand même. Bah, tu peux faire des courses en solo pour débloquer des trucs. Ouais. Un peu la flemme. Je pense que je vais m'arrêter là aussi. Je suis crevée. Je vais voir. Je vais trouver un truc à regarder peut-être. Et me poser tranquille ou bouquiner. C'est une bonne idée aussi. Cool. Ça marche. Bah merci en tout cas, c'était trop chouette comme d'habitude. Bah merci à toi. Et puis bah écoute, de toute façon c'est pas comme si on papotait pas en même temps, donc voilà. Oui. Enfin je veux dire voilà quoi. À plus tard du coup. Et merci. Ouais. À plus tard. Et bonne bisous, soirée. Bye bye. Bon du coup moi je vais vous laisser là aussi. Je pense que je vais aller me poser, soit bouquiner. Soit regarder quelque chose. C'est vrai, Christelle, que tu es restée jusqu'à la fin, t'es restée tard. Effectivement. Tiens, d'ailleurs, regarde l'annonce de Wisebot. Si t'as des points de chaîne à dépenser, hésite pas hein, à entrer le tirage au sort. Personne n'a encore entré ce mois-ci, donc il y a des chances. Et bonjour maître de l'air frère, roi du trône RGB, qui nous rejoint et nous honore de sa présence sur le chat. Ah oui, 1,64, tu vas pas aller très loin, effectivement, il va falloir un petit peu plus. Il faut 12 000 pour entrer sur le tirage au sort, du coup. Bon, en tout cas, c'était vraiment chouette. Merci d'être passé tout le monde, c'était vraiment super. J'aime vraiment notre petit samedi soir comme ça, tous ensemble, ça fait hyper plaisir. Et puis ça fait plaisir d'avoir un peu aussi des gens dans le chat. En général, c'est assez quiet, enfin c'est assez calme dans le chat quand on joue à Mario Kart. Donc là, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit peu d'ambiance dans le chat aussi, c'est cool. Et puis c'est vraiment un chouette jeu qui permet de bien s'amuser. En tout cas, c'est très chouette, j'aime bien ce format, je pense que... On continuera comme ça pendant un moment. Bah pareil, écoute, je jouais pas du tout avant de me mettre au tournoi avec vous, donc ça fait hyper plaisir en fait. Et puis même si on joue qu'une fois par semaine, je trouve qu'on évolue quand même beaucoup, donc ça fait plaisir. Peut-être un jour on fera le tournoi de Ponce et on pourra se mettre en équipe ou un truc comme ça pour voir. Pour voir comment on fait et tout, peut-être on pourra faire ça. Et ouais, bah pareil, on vous a merci en tout cas d'avoir été là, vraiment très très chouette. Demain, je pense que je vous confirme, sauf si je me tape une énorme motive, mais ça m'étonnerait, à mon avis, demain je off toute la journée. Et puis je vous retrouve lundi soir. Je n'ai pas encore décidé, je pense que ça va être au dernier moment, soit on continue Majora's Mask, soit on continue Ori. On verra suivant le mood de la journée. J'avoue que Majora's Mask m'a un tout petit peu freiné là.
Parce que je pense que le tryhard des castors m'a un peu... Bah ouais, m'a un peu freiné sur ma lancée. Et je trouve le jeu... je trouve le jeu génial, le principe génial, mais je trouve que... ça traîne un peu. Et aussi, j'adore Ori. Faut dire que, forcément, je me suis un petit peu... je suis un petit peu tombée amoureuse de ce jeu. Après, tu verras, Ludoc, ça m'arrive vachement d'avoir des énormes coups de cœur et de me lasser au bout d'un moment. Je change d'avis tout le temps. C'est très très chiant d'ailleurs pour tout le monde parce que je change. Mais oui, oui, je vais le reprendre, Majora's. Majora's Mask, j'ai juste besoin d'un peu de temps, je pense. Et puis on va s'y remettre. Mais je pense que je vais focus surtout sur la quête principale histoire d'avancer un petit peu parce qu'en fait, au final, on a fait que un temple. Ah non, deux. On en a fait deux, du coup. Sur les quatre. Du coup, on est à peu près à la moitié du jeu. Et je dois avouer que c'est vrai que je trouve le jeu un petit peu lent à mon goût. Mais bon, ça veut pas dire que j'aime pas. Je kiffe tout à fait. Mais par contre, on va certainement pas aller sur le 100%, je pense. Mais on va reprendre. On va reprendre doucement. Là, j'avais juste besoin de passer sur autre chose. Le temps de me défrustrer. Parce que aussi j'arrête pas de me dire putain si l'émulateur il est si buggé et qu'il foire pour toutes les quêtes chronométrées, bah ça va vite me saouler en fait de galérer autant. Donc on verra si c'est le cas plus loin ou pas. On verra tout ça bientôt. Bon, en tout cas, bah merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et du coup, je vous dis à lundi. N'hésitez pas à passer faire coucou sur le Discord quand vous voulez. Crystal, je t'écris la recette dès que j'ai 5 minutes. Et puis voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser en musique. Ah bah j'avais même pas mis pause. Ok, super. Super, super. Je vous fais plein de bisous, plein de love sur vous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde, bonne nuit.